Toi, tu fais du style. Challenge. C'est pas
tient très bien. C'est la même chose. Je regarde, j'ai fait 5 à
Ouais, mais c'est le quart d'heure partout. Comme, on a même le quart d'heure valaisan. Alors, les Suisses, qui sont pourtant réputés, ils ont le quart d'heure valaisan. De toute façon, on a les clés, donc on fait ce qu'on veut. Hein. Ouais. Si les gens connaissent pas, ouais, c'est... faut être habitué. Mais c'est un peu pareil dans toutes les facs. Hein. Ouais. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence qui va être donnée par Denis Richer, nutritionniste qu'on ne présente plus dans le monde du sportif, mais que néanmoins Albor Larnicole à mes côtés va vous présenter. Donc cette conférence de ce soir fait partie d'un cycle de conférences qui a lieu à l'URCA pendant cette année olympique autour de, justement de l'olympisme. Donc il y a des conférences chaque jeudi. Donc je vous rappelle qu'il y a une conférence qui aura lieu le 11 avril avec Patrick Clastre sur les Jeux olympiques, le monde selon le CIO. Le 16 mai par Emmanuel Bayle sur la gouvernance, la régulation et le management du sport olympique et mondial. Et enfin, ce cycle de conférences se terminera le 20 juin avec la présentation de Georges Vigarello sur le présent et l'avenir des Jeux. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Denis Richer. À l'issue de cette conférence, vous pourrez échanger avec Denis Richer. Alban vous présentera Alban Larnicole de l'Académie de Reims, avec qui nous organisons ces conférences. On va vous présenter Denis Richer et le dérouler. Et à l'issue de la conférence, vous êtes invité dans la verrière qui se trouve à la sortie de l'amphi pour partager un moment de convivialité avec Denis Richer pour pouvoir échanger plus longuement et puis partager également un petit ravitaillement sportif. Merci Céline. Bonsoir à tous. Donc notre troisième conférence. Merci beaucoup Monsieur Richer d'être venu nous voir ce soir. Alors on avait souhaité dans ce cycle de conférences sur l'année olympique aussi toucher à tous les domaines, à différents champs disciplinaires et notamment celui de la nutrition qui nous semblait essentiel. On connaît hein, la place des facteurs environnementaux, mais peut-être insuffisamment, on a tendance à dire peut-être ce sportif de haut niveau est bien né, il a un terreau favorable, et il est, voilà, c'est normal, les gènes ont parlé, mais on méconnaît trop souvent tout ce qui fait aussi le sportif et notamment l'environnement et ce qu'on va ingérer tout au long de sa vie. Donc on a le plaisir d'accueillir ce soir Denis Richer qui est physiologiste, docteur en nutrition humaine et puis qui est cofondateur aussi de la micronutrition comme discipline médicale. Et qui nous fait l'honneur de venir ce soir, puisque au gré de ses multiples conférences, eh ben, il a souhaité faire une petite halte avec nous ce soir. Donc on sait que ce cycle de conférences, pour ceux qui ont l'habitude, hein, c'est la troisième, a pour objet aussi d'ouvrir au champ disciplinaire qui gravite autour de la performance sportive, apporter son lot de connaissances et d'aider à la prise de conscience. C'est bien à ces enjeux que vous nous renvoyez, Monsieur Richer, en conclusion d'un de vos ouvrages. Alors, on rappellera aussi que les ouvrages de Monsieur Richer pourront être achetés aussi à l'issue de cette conférence, si vous le souhaitez. Dans Épinutrition du sportif, vous nous dites que certains actes relèvent de la responsabilité même du citoyen, capable ou non de transformer certains choix selon l'éducation, l'esprit critique et la capacité à s'engager dont il sera doté. Donc c'est un peu cet enjeu-là qu'on aimerait développer ce soir, c'est-à-dire finalement éduquer à, et puis merci de nous aider à y voir un peu plus clair dans cette nébuleuse. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le sujet ou le thème pourrait paraître un petit peu studieux et délicat à travers la nutrition, mais le fait que je vienne du champ de la physiologie va permettre de comprendre pourquoi j'ai très vite allé dans d'autres domaines. À savoir que la physiologie, c'est la science du vivant, c'est-à-dire que ça s'intéresse à tout ce qui se passe dans notre corps, notamment, mais pas seulement, en réponse à l'activité physique. Et toute cette activité permanente repose sur la présence de molécules qu'on fabrique plus ou moins efficacement à partir de notre alimentation. Et de ce fait, non seulement ce que l'on mange est déterminant pour réussir les performances qu'on souhaite, mais ça intervient aussi pour nous protéger des éventuelles agressions que l'on pourrait subir,
qu'elles sont environnementales à travers la pollution, les risques infectieux notamment, mais aussi et surtout par rapport aux plus gros agresseurs auxquels on peut être soumis aujourd'hui, notamment dans l'approche du sport de haut niveau, qui est le stress, dont je vous parlerai également. Précisément, sur quoi repose la réussite sportive? Alors, je pars de loin, mais vous verrez que je vais vous amener progressivement vers le cœur du sujet. Il y a plusieurs choses qui cohabitent. Vous avez d'abord les aptitudes innées, c'est-à-dire que au gré du développement de l'embryogenèse et des premières influences qui surviennent tôt dans la vie, il y a des aptitudes qu'on peut qualifier innées qui vont s'exprimer lors de la première rencontre avec l'activité physique. Dans le domaine de la course à pied, par exemple, on s'extasie depuis une dizaine d'années sur les performances de Kylian Jornet. Vous pouvez prendre son plan d'entraînement depuis l'âge de ses 20 ans et le faire la même chose à partir de vos 20 ans. Si vous n'avez pas vécu comme lui en refuge, si vous n'avez pas fait votre premier 3000 à 2 ans, si vous n'avez pas été placé dans l'environnement dans lequel il a été placé, vous ne réussirez pas la même chose. De la même manière qu'un jeune concertiste japonais qui joue du Mozart à 8 ans, il a baigné dans un environnement propice qui a permis l'expression de ses aptitudes. Alors, on n'est pas tous dotés des mêmes aptitudes au départ, mais contrairement à ce qu'on disait il y a 10 ans en arrière, ce n'est pas figé du tout, puisque les facteurs environnementaux jouent un rôle crucial dans l'expression de nos gènes. Je vais y revenir dans un instant. Donc, imaginons que vous fassiez le cross du collège, vous ne courez jamais, vous gagnez, et donc vous dites, bah, finalement, c'est rigolo de courir. Et là, on va vous enrôler dans une structure institutionnelle programmée pour faire du surentraînement institutionnel, ce qu'on appelle les sports-études. Alors, pourquoi je parle de surentraînement institutionnel? Parce que tous les modèles expérimentaux en physiologie décrivent que le meilleur moyen de provoquer un surentraînement, c'est d'augmenter de plus de 15% la charge de travail d'une année à l'autre. Donc, typiquement, un gamin qui passe de 2 entraînements par semaine à 6 entraînements, voire 8 entraînements par semaine, il est, avec les impôts de la population, placé dans une stratégie méthodique de destruction. Or, le problème, c'est qu'on considère qu'être capable, par exemple, de courir spontanément vite, c'est la même chose qu'être capable de s'entraîner beaucoup. On confond, dans les libellés d'entraînement, les aptitudes innées, les aptitudes à supporter les charges de travail. On le voit d'ailleurs même dans tous les plans qu'on peut trouver sur Internet. Vous voulez courir le marathon en 2h30, il faut 5 séances. Vous voulez courir en 3h, il faut 4 séances. Vous voulez le courir en 5h, on vous en met 3. Or, rien ne dit que vous ne pouvez pas faire 2h30 en courant 3 fois par semaine, mais on pense que la qualité physiologique conditionne la quantité. Et puis, en dehors de ça, il y a un autre aspect que moi j'appelais l'entraînement invisible, qui est toutes les contraintes extrasportives et les stress auxquels on peut être subi. On peut être soumis, pardon. L'altitude, le froid, le chaud, le jet lag, si vous êtes tennisman français, donc on vient vous voir le lundi de la première semaine à Roland-Garros, par exemple, vous allez subir 50 fuseaux horaires en l'espace d'une saison, et bien évidemment, la manière dont vous allez réagir à cet entraînement ne sera pas la même. Mais sans aller jusque-là, imaginez s'il y a des gens qui font de l'athlétisme parmi vous, mais on peut prendre l'exemple dans d'autres disciplines, que vous deviez faire une séance de, par exemple, 10 fois 400 mètres, et vous y arrivez le mardi soir au stade, après une journée de cours, d'embouteillage, de fatigue, et on vous demande de réaliser la même séance le dimanche matin à 11h, même si sur le papier, vous effectuez le même entraînement, au niveau physiologique, au niveau de ce qui se passe dans votre organisme, c'est différent. Et comme toutes ces contraintes créent une complexité importante, c'est un facteur de stress pour l'encadrement et pour l'entraînement, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le meilleur moyen qu'on a de répondre au stress, c'est de chercher des solutions faciles et qu'on contrôle. Et qu'est-ce qu'on contrôle prioritairement quand on est sportif? Son entraînement et son alimentation. Et c'est ce qui permet de comprendre que beaucoup de sportifs qui sont au bout de leur vie, qui sont surentraînés, ont souvent rajouté des séances à l'insu de leur entraîneur, non pas parce qu'ils sont convaincus que ces séances vont leur permettre d'être meilleurs, mais parce que ça les rassure sur le fait qu'ils contrôlent la situation. Et tant qu'on n'a pas compris ça, surtout si l'entraîneur est lui-même dans une situation de stress, ce qui arrive assez souvent, puisqu'il y avait une étude publiée en 2012 sur l'encadrement de l'INSEP, qui avait montré que 43% des entraîneurs de l'INSEP n'étaient pas dépressifs. Ce qui veut dire que 57% l'étaient. Donc, pour des raisons diverses et variées, notamment de leur statut d'ex-futur champion éventuel, mais bien évidemment, leur mode de fonctionnement et leur rapport au stress a des conséquences sur la manière dont les jeunes athlètes sont encadrés.
Et dans tous ces stress, vous avez aussi les stress émotionnels qui peuvent se rajouter. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a 4 situations qui participent au stress. Et il y a eu un changement notable dans le niveau de stress subi par les sportifs entre 2 dates très précises que j'ai en tête, mars 2020, donc il y a 4 ans en arrière, on ne se rappelle plus trop, et juillet 2020. Ceux que ça intéresse plus particulièrement, et vous verrez la diapo tout à l'heure, auront à l'esprit qu'il y a 4 facteurs qui contribuent au stress. Ce qui est nouveau, ce qui est imprévisible, ce qui échappe au contrôle, et ce qui touche à l'ego. Donc imaginez un athlète qui a prévu de prendre part aux Jeux Olympiques de 2020 qui auront finalement lieu en 2021, à qui on dit brutalement « tu t'entraînes plus, on ne sait pas quand ça va reprendre, on ne sait pas si les sponsors reviendront, mais ce n'est pas grave ». Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Il y a des athlètes qui ont déprimé, qui ont fait des barbecues et qui ont pris 10 kilos. Il y en a qui ont fait 3 heures de pompe tous les jours. Il y en a qui ont multiplié les entraînements sur home trainer. On a tout vu. Mais par contre, quand on regarde au niveau biologique le niveau de stress subi sous l'influence de ces différents facteurs, eh bien on est passé de 20% à 80% des sportifs de haut niveau qui aujourd'hui encore traînent des séquelles de stress chronique, ce qui a des conséquences qu'on verra tout à l'heure à travers les aspects physiologiques que ça développe. Et bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des aspects de notre nutrition qui peuvent nous permettre de limiter à la fois l'impact et les conséquences de ce stress? Je vous demande de patienter encore un peu, mais je vais y venir un peu plus loin. Ce qui est également important, c'est de se poser la question d'un point de vue plus technique sur quoi repose la réussite sportive. Parce qu'on a souvent la question, mais poser de savoir est-ce qu'il y a une manière de manger pour les sports d'endurance, sports de force, sports de vitesse, sport co. On a l'impression que les gens qui posent la question n'ont jamais été assistés à un entraînement parce que dans n'importe quelle discipline, il y a un mélange d'aptitudes qui interviennent à des moments divers. Même si vous faites des épreuves d'ultra, il va falloir garder une certaine vitesse, une adaptation à la nouveauté, la gestion du sommeil. Si vous êtes sur une épreuve type la Diagonale des Fous à La Réunion, qu'il est 3 heures du matin, que vous avez envie de dormir et que vous devez faire une descente dans les pierriers, peu importe l'entraînement que vous aurez conduit préalablement, il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas au bout. La tolérance au stress, la tolérance au chaud, la tolérance au froid, la coordination motrice. Et donc, comme tenir compte de tous ces paramètres est extrêmement compliqué, dans beaucoup de sports, on résume cette équation très simplement en calculant le nombre d'heures et le nombre de kilomètres. Comme si ça conditionnait la satisfaction de tous ces critères. Et bien évidemment, quand on regarde des disciplines très spécifiques, par exemple gardien de hand ou libéraux au volet, la question de est-ce qu'il y a une manière de manger pour être capable de mémoriser les impacts des tireurs ou de garder la vitesse d'exécution à la réception des ballons, bien évidemment, quand on aborde cette question de la nutrition cérébrale, on commence à intéresser des joueurs qui diraient « moi, de toute façon, je m'entraîne 4 heures par jour, le barbecue et la bière, ça me va très bien, qu'est-ce qu'on vient m'emmerder à me parler de nutrition ?» Parce que dans le domaine courant, on pense que le rôle de l'alimentation, c'est uniquement l'aspect énergétique, ce qui est un aspect très réducteur. À partir du moment où on se demande « est-ce qu'il y a aussi… » des aspects nutritionnels qui peuvent influer sur la force, ça bien sûr on connaît, sur la gestion du sommeil, est-ce qu'il y a des nutriments qui permettent d'améliorer la qualité du sommeil? Au Vendée Globe par exemple, c'est un élément extrêmement important. Vous savez qu'au Vendée Globe, c'est un petit peu à l'inverse de la fonction publique, les gens dorment 3 heures sur 24 heures et ils n'ont pas besoin de rattraper leur sommeil après. Et ils font ça durant toute l'épreuve et on se rend compte qu'ils adoptent des stratégies nutritionnelles qui ont pour objectif de favoriser l'endormissement à des moments précis de la journée. Donc ça, bien sûr, on peut le mettre en application si on a affaire à un coureur de 5000 qui va disputer un meeting à Tokyo, ou à un joueur de tennis, ou de n'importe quelle autre discipline où on est soumis à ces contraintes-là. Le fait de maîtriser les paramètres qui relient notre alimentation à la qualité de notre sommeil, ça va être une plus-value dans la bonne réalisation des adaptations qu'on recherche. Et effectivement, toutes ces qualités comptent à des degrés variables dans la réalisation de la performance. Si on a un coureur de 100 000, est-ce qu'il faut de la force, de la souplesse, de l'endurance, de la coordination motrice, de la vitesse? Tout ça, ça compte. Et bien évidemment,
chacune de ces aptitudes va devoir être développée par l'entraînement, mais aussi avoir une réponse nutritionnelle qui y corresponde. Et donc l'entraînement, tel qu'il a été présenté il y a maintenant une soixantaine d'années avec les prémices de la physiologie de l'exercice, vise à créer ce qu'on appelle des adaptations. Alors qu'est-ce que c'est qu'une adaptation ? En fait, c'est des changements durables qui vont survenir. On peut prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui n'a jamais couru décide de faire le marathon de Paris 2025. Il commence à courir, il fait le tour du pâté de maison, il ne l'a jamais trouvé aussi long. Il continue de courir, on regarde 6 mois après ce qui se passe. C'est le même individu, il a peut-être perdu 1 ou 2 kilos. Il a bien poussé au-delà de son pâté de maison son périmètre d'entraînement. Et en fait, si on regarde ce qu'il y a dans son muscle, il y a des changements invisibles, peut-être microscopiques, qui sont survenus. Alors, dans les années 70, les physiologistes de la première heure qui travaillaient là-dessus montraient, par exemple, une augmentation de l'activité des enzymes, une augmentation du nombre de mitochondries, une augmentation de l'allongement des filaments qui permettent de produire de la force au niveau musculaire. Donc, on avait des éléments qui étaient décrits d'un point de vue biochimique. Depuis les années 2010, on sait qu'en fait, ces changements-là surviennent parce qu'il y a des gènes qui vont s'exprimer. À savoir que de 1995 à 2004, il y avait une entreprise qui a mobilisé beaucoup de scientifiques qui était de réaliser le séquençage du génome humain, dans le but peut-être de soigner beaucoup de pathologies. Alors, on sait très bien qu'on ne soigne rien par la thérapie génique, mais on continue de faire le téléthon. Bon, c'est sympa, ça permet de courir et de récupérer des fonds, mais ça ne va pas au-delà. Et en fait, on n'a que 2% de nos gènes qui s'expriment au cours de notre vie. Donc on a 98% des gènes qui sont silencieux ou qui ne travaillent pas. Vous imaginez, c'est la préfecture de Bastia. Donc 2% des gènes qui travaillent, mais ils ne travaillent pas tous en même temps. C'est-à-dire qu'à certains moments de notre vie, il y en a qui vont s'exprimer, par exemple durant l'embryogenèse. Il y en a qui vont entrer en action à des moments inappropriés ou de manière anarchique, ce qu'on voit par exemple sur le cancer, l'endométriose ou d'autres pathologies. Et en fait, sous l'influence de l'entraînement, c'est ce qui a été décrit il y a maintenant une quinzaine d'années, certains gènes qui ne seraient jamais exprimés vont sortir de leur silence. Et parce que ces gènes vont être exprimés, il y a des protéines nouvelles qui vont apparaître dans nos tissus. Ces protéines vont être impliquées dans les réactions énergétiques, vont être impliquées dans la production de la force, vont être impliqués aussi en tant que récepteurs dans tous les échanges d'informations qu'il va y avoir au niveau hormonal, au niveau immunitaire, au niveau des neurotransmetteurs. Et donc, on peut poser finalement un nom sur ce qu'on observe. Finalement, on a changé d'appareil, on est passé de la biologie classique à l'étude du génome, mais ça n'a pas changé grand-chose à l'histoire. Donc, en fait, quand on s'entraîne, quand on répète certaines séances, on dialogue avec nos gènes. Et donc, de ce point de vue, on pourrait considérer que tout ce qui fait que nos gènes entrent en action, c'est ce qu'on appelle l'épigénèse, c'est l'influence des facteurs environnementaux sur nos gènes. Et ce qui devient très intéressant, c'est que d'autres facteurs sont capables d'influer sur nos gènes, que ce soit à travers la pollution, les infections et d'autres éléments que je vais développer un peu plus tard. Et donc, si on commence à élargir notre regard sur la question de l'intérêt d'une stratégie nutritionnelle adaptée, c'est de se dire que peut-être que notre manière de manger peut nous protéger de l'influence éventuellement défavorable que ces différents facteurs peuvent avoir sur nos adaptations. Dit autrement, si on s'entraîne avec un objectif précis, par exemple de faire du travail haute intensité pour provoquer certains changements au niveau musculaire, est-ce que ces bénéfices vont être observés si en même temps on est malade, si en même temps on a un gros stress ? Ou si en même temps, par exemple, on a un déséquilibre de notre flore intestinale? Eh bien, on sait que non. C'est-à-dire que ces différents facteurs peuvent interagir ou peuvent s'inhiber mutuellement. Et donc, comme la science, depuis une cinquantaine d'années, fonctionne avec des colonnes indépendantes, la colonne de l'entraînement, la colonne de l'alimentation, la colonne de la préparation mentale, la colonne de la biologie, hein, c'est un peu comme si quelqu'un voulait fabriquer une voiture en ayant l'ingénieur de l'airbag, l'ingénieur des pneus, l'ingénieur du pare-choc, mais qu'il n'y avait jamais de réunion pour que les gens ils échangent sur ce qu'ils observaient. Et donc, c'est ce qui permet de comprendre que quand on parle, entre guillemets, de surentraînement ou d'épuisement chez un sportif, la première chose qu'on garde, c'est le contenu de l'entraînement, la deuxième chose qu'on garde, c'est le bilan sanguin,
Et en général, on s'en tient là. Or que précisément dans la prise en charge de ces états de désadaptation, je vais regarder le niveau de stress, je vais regarder les problèmes immunitaires. En règle générale, quand l'immunité va, tout va. Quand l'immunité ne va plus, rien ne va plus. C'est un peu bête, mais c'est le cœur de la désadaptation. Et donc, ça nécessite de posséder un bagage transdisciplinaire que permet la physiologie, mais que malheureusement, on n'a pas conceptuellement intégré dans la préparation du sportif de haut niveau. C'est-à-dire que quand on commence à poser la question de « est-ce que le sport est bon pour la santé ?», j'explique souvent ce que je faisais au début, que le modèle du sportif de haut niveau est un super modèle expérimental qui permet de comprendre comment on peut rendre malade quelqu'un qui n'a aucune raison de le devenir. Et donc, tout le boulot consiste à les remettre en état de marche et de comprendre ce qui s'est joué. Donc, en fait, l'épigénèse décrit de quelle façon les facteurs extérieurs ou certains facteurs qui sont propres à notre organisme vont contribuer à l'expression ou à la répression des gènes. Alors, il y a des vitamines qui vont intervenir dans ces processus d'ouverture ou de fermeture ou de on-off, des vitamines très importantes comme la B6, la B9, la B12 ou d'autres molécules qui vont être capables de faire exprimer la mise en jeu de ces gènes. Et à partir du moment où ces phénomènes interviennent, ils sont transgénérationnels. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans en arrière, si un caractère physique s'exprimait au niveau d'une génération et qui n'existait pas au niveau des générations précédentes, on pensait que c'était l'effet d'une mutation génétique. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait eu une anomalie dans les divisions cellulaires et que le changement qui était observé, qui était une erreur, finalement, modifiait certains caractères à la génération suivante. Et en fait, ce n'est plus du tout la vision qui aujourd'hui prédomine. Ces facteurs environnementaux vont faire s'exprimer ou faire se taire certains gènes, et à la génération suivante, on va retrouver la même caractéristique. Ça a été très bien décrit chez les rescapés des camps de la mort. Beaucoup de survivants avaient eu vraiment la chance de s'en sortir parce qu'ils possédaient, ils avaient adapté l'expression de leur gène à un métabolisme extrêmement économe. Donc, placés ensuite dans une situation d'opulence, leurs enfants et leurs petits-enfants développaient davantage de problèmes d'obésité. Puis, s'adaptant à nouveau à ces contextes-là, la quatrième génération présente un taux de morbidité et de surpoids équivalent à celui de la population générale. Donc ces ajustements sont toujours, on va dire, une nécessité pour être capable de faire face aux contraintes environnementales auxquelles on est soumis, sachant qu'en plus, dans cette histoire, 10% de notre ADN est de l'ADN viral. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui, au cours de l'évolution, se sont intégrés à notre ADN. Il y en a peut-être un depuis 4 ans d'ailleurs qui a fait ça, on ne sait pas quelles seront les conséquences éventuelles. Et bien évidemment, ça va faire partie des problématiques éventuelles qui peuvent survenir si par hasard il y a des réactions croisées avec certains de nos tissus. C'est ce qu'on voit par exemple sur la sclérose en plaques. Alors je sors du sujet, mais actuellement, parmi les sportifs dont je m'occupe, j'ai pris en charge une biathlète française qui a déclenché une grosse neuropathie un peu avant la saison, suite à un gros stress. Donc, on lui disait, tu arrêtes de t'entraîner pendant une semaine, puis ça va aller mieux, c'est dans la tête. Effectivement, c'est dans la tête. Elle a vu un neurologue qui a dit, écoutez, vous avez une destruction des fibres, des petites fibres, vous n'allez peut-être plus pouvoir faire du sport de haut niveau. À part ça, tout va bien. Donc, il faut gérer la situation. Et effectivement, on comprend que face à des phénomènes qui sortent un peu du cadre de l'accompagnement du sportif de haut niveau, les réponses qui sont fournies sont entre mauvaises et très mauvaises. Alors effectivement, selon ce modèle, on pensait que l'exercice produisait des adaptations, hein, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il y a pas mal d'ouvrages très savants qui disent que quand on va produire un entraînement, éventuellement en altitude, éventuellement à la chaleur, éventuellement avec une restriction glucidique ou pas, il y a des gènes particuliers qui vont s'exprimer et que l'expression répétée de ces gènes va modifier les capacités de l'athlète, soit en matière d'endurance, en matière de force, au niveau de l'utilisation de ses carburants. Et donc, de ce point de vue, l'alimentation, elle est juste là pour permettre de réaliser ces entraînements, c'est-à-dire manger des glucides, prendre de l'eau, soigner la récupération avec les protéines, pas manger trop gras, hein, le théorème d'Archimède qui est très répandu depuis une soixantaine d'années,
Et très vite, de ce point de vue, la nutrition du sportif, ça devient quelque chose de très chiant. Une fois qu'on a fait le tour, mangez des pâtes, voilà, le genre de truc que tout le monde entend, sans se poser la question de savoir si quelqu'un qui a un accident cardiovasculaire mangeait comme un marathonien, est-ce que ce serait bon pour sa santé? Et puis inversement, si on propose le régime crétois à un sportif, est-ce qu'il va être contre-performant? Et en fait, bien évidemment, j'aime bien aller toucher l'absurde pour montrer qu'on a des visions qui sont insuffisantes. Depuis le début des années 2000, donc dans le domaine de la micronutrition, on a voulu regarder, face aux dégâts qu'on observait déjà à l'époque dans le milieu sportif, si une alimentation qui est réputée garantir de vivre en bonne santé permettait aux sportifs d'être en bonne santé et accessoirement d'être performants. Et précisément, on s'est rendu compte que ce modèle qui est très individualisé, mais qui remet à leur bonne place les fruits, les légumes, les circuits courts, etc., était plutôt bénéfique à la fois pour la santé, pour les performances des athlètes. C'est pour ça que tous les modèles caricaturaux qu'on voit arriver aujourd'hui, régime cétogène, régime low carb, etc., moi, ça me réjouit parce que ça remplit ma salle d'attente. Je veux dire par là que c'est une manipulation des connaissances physiologiques par des gens qui n'ont aucune connaissance physiologique et qui cherchent un bénéfice immédiat au risque d'avoir des conséquences majeures qui vont en découler. Alors, quels sont les rôles des aliments aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Il y a d'abord une potentialité fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on mange, par exemple, du poisson, on avale des oméga-3, on avale des graisses, on avale des protéines. Donc, suivant la sensibilité et le domaine d'expertise de la personne qui s'y intéresse, on va vous dire, mangez du poisson, il y a des oméga-3. Si on vient du champ de la toxicologie, ce que j'ai étudié aussi, puisque j'ai fait une partie de mes études à Jussieu, à Paris 6, et on était dans les poussières d'amiante en permanence, on faisait des travaux pratiques en allant en cours, on va dire, attention, si on mange du poisson, on avale des métaux lourds. Et puis, il y a aussi une potentialité antigénique, c'est-à-dire que tout aliment interagit avec notre système immunitaire, et on peut aussi faire une allergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à chaque fois qu'on est face à un aliment, on se dit, ok, j'ai mangé du poisson, j'avale des oméga-3, je vais m'intoxiquer au mercure, je peux me provoquer une allergie. Oh, c'est très compliqué. C'est un facteur de stress. Et donc, face au stress, on adopte en généralement des solutions toutes faites, rapides, sorties de son chapeau, pour nous rassurer. Et pour se rassurer, eh bien, il y a plusieurs stratégies, malheureusement, qui vont être mises en œuvre, parce que selon l'angle sous lequel on regarde partiellement le sujet, on peut émettre des avis opposés. Il y a 10 ans en arrière, le café, c'était dangereux, maintenant, ça sauve des vies. Il y a 30 ans en arrière, les sportifs devaient manger beaucoup de glucides, maintenant, on entend parler du régime cétogène partout. Ça veut bien dire qu'on ne regarde pas les choses de manière globale. Et puis surtout, on va se rassurer sur des dogmes, parce que puisqu'on contrôle ce qu'on mange avec des solutions radicales, ça réduit le stress. Au moins, je mange que ce dont je suis sûr. Et donc, on voit arriver des variantes comme le véganisme, le régime cétogène ou le jeûne thérapeutique. J'étais, il y a 6 mois en arrière, invité sur un congrès en Suisse où on me demandait ce que je pensais du jeûne thérapeutique. Alors, je vais vous faire d'abord une réponse polie. Je trouve que c'est un peu curieux de faire 7 ans d'études pour apprendre aux gens qu'il ne faut pas manger. Puis je vais faire une réponse moins diplomatique, c'est que le premier à avoir travaillé sur le jeûne à vaste échelle, c'est le professeur Mengele, université de Dachau, et on connaît les résultats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas délibérément reposer sur des stratégies absurdes et faire croire que ça a des valeurs thérapeutiques. Pendant des années, on m'a expliqué que l'alimentation était de plus en plus appauvrie en micronutriments et occasionnait des déficits, et en même temps, on est en train de me dire que vaut mieux faire 2 repas par jour que 3. Donc, expliquez-moi comment, avec 2 repas, on a plus de chances d'éviter des déficits qu'avec 3. Là, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas la solution. C'est-à-dire qu'on adopte des stratégies qui paraissent absurdes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec la cacophonie ambiante et les peurs alimentaires qu'on a créées, qui sont présentes aussi dans le milieu sportif, bien évidemment, on va arriver à des comportements absurdes, mais avant toute chose, il faut comprendre pourquoi ils arrivent. Et comme j'explique souvent, le véganisme, s'il avait existé au moment du paléo, on ne serait plus là. On me dira, on n'est plus au moment du paléo non plus, on peut nuancer. Mais on doit plus regarder ça d'un point de vue sociologique que d'un point de vue physiologique. Qu'est-ce que ça nous dit
des peurs des populations face à notre alimentation. Alors le concept d'épinutrition nous amène à considérer que si on revient à l'expression de nos gènes, on sait que le stress peut influencer durablement l'expression de certains de nos gènes, et ceci dès la vie fœtale. Il m'arrive assez souvent chez des enfants, par rapport à des enfants qui ont des problèmes immunitaires, des problèmes de santé chroniques, d'interroger les mamans sur le déroulement de leur grossesse. Puisqu'il y a des acteurs moléculaires libérés dans des situations de stress qui peuvent modifier un certain nombre de processus et, comme je l'expliquais en introduction avec l'exemple de Kylian Jornet, des processus qui doivent se dérouler à des moments clés de l'embryogenèse, s'ils sont entravés dans leur déroulement, on n'a pas de deuxième chance. Donc il y a des problématiques avérées qui peuvent en découler. C'est de mieux en mieux connu, et ce qu'il faut savoir, c'est que le stress n'est pas lié à la gravité des événements sur une échelle de faits divers. Ça n'a rien à voir, et j'y reviendrai tout à l'heure. La pollution, or c'est bien décrit à travers notamment les expériences malheureuses de certains couples avec les problématiques d'infertilité et les perturbateurs endocriniens, mais il y a aussi tous les polluants atmosphériques, donc quelqu'un qui fait du vélo ou du triathlon, qui s'entraîne 20 heures par semaine dehors, est soumis à une charge de pollution plus importante que ceux qui ne s'entraînent pas. Donc le sport, ce n'est pas bon pour la santé, l'absence de sport, c'est très mauvais pour la santé. Vous avez le choix. Comment on règle la question? Alors il y a un principe en physiologie qui est en fait une réalité, qui s'appelle l'hormèse. Alors qu'est-ce que veut dire l'hormèse? Ça veut dire que si on est soumis à une petite quantité d'un agresseur, on va créer des adaptations qui vont nous rendre plus forts face à cet agresseur. C'est-à-dire qu'un peu de métaux lourds, c'est pas grave, un peu de microbes, c'est pas grave, un peu de radicaux libres, c'est pas grave, tant que ça nous permet de nous adapter. On ne peut pas vivre dans un monde aseptisé, ce qui est important, c'est qu'on ait les moyens d'y faire face. Et donc, déjà comprendre ça, ça nous rassure. Moi, on me dit parfois, si tu manges du poisson 3 fois par semaine au lieu que 2, est-ce que c'est dangereux? Je dis, ouais, je vais mourir, le mercure va me bousiller la tête. Voilà, il faut avoir le recul approprié. Les perturbations immunitaires, je ne parle pas d'infection, j'y reviendrai tout à l'heure, ce qu'est une perturbation immunitaire, là, c'est vraiment l'élément numéro 1. On sait par exemple que lors du premier mois de grossesse, une femme qui subit certains types d'infections bactériennes ou virales, eh bien son enfant aura trois fois plus de risques de devenir schizophrène à l'âge adulte. On sait également que certains épisodes infectieux qui surviennent dans les premières années de la vie vont avoir un effet sur la capacité des mitochondries à se multiplier. Vous savez, les mitochondries, c'est l'élément qui, dans la cellule, permet la production d'énergie, enfin l'étape finale de la production d'énergie. Donc bien évidemment, ce qu'on entend par perturbation immunitaire, je vais le détailler un petit peu, c'est quelque chose de crucial. Et comme c'est très important et que c'est compliqué, il n'y a personne qui s'y intéresse. L'exercice, évidemment, a un impact sur l'expression de nos gènes, mais vous voyez que quand on voudrait raisonner de manière intelligente sur l'accompagnement du haut niveau, c'est pas seulement qu'est-ce que je peux faire comme entraînement, mais c'est aussi dans quel contexte tu le fais, quelle est ta vulnérabilité individuelle, qu'est-ce que tu es capable de supporter. Il y a aussi l'influence des bactéries qui sont dans notre intestin. Et il y a une idée que je défends maintenant depuis une dizaine d'années, c'est qu'en fait, sans être du tout désagréable avec les jeunes générations, on en parlait avec Alban tout à l'heure autour de l'agneau. Non, ils n'en buvaient pas. Si on regarde le niveau de performance moyen d'une classe d'âge, il y a une nette détérioration depuis une trentaine d'années. Je prenais l'exemple d'une épreuve qui se déroulait dans le sud de la France, qui s'appelait le Cross du Midi Libre, qui se courait au mois de novembre sur 16 km. Donc il y avait tous les gens du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales et de l'Aude qui venaient là. Et donc si on courait les 16 km en 58 minutes, on faisait 35e ou 40e. Si on courait en une heure, on faisait centième. Aujourd'hui, la courbe de Gauss des performances, si vous voyez ce que c'est au niveau des stats, a nettement bougé. Par contre, on a aussi des avions de chasse qu'on ne voyait pas avant. Quand vous voyez des jeunes de 20 à 25 ans qui réalisent aujourd'hui des moins de 2h06 au marathon, ou moins de 2h20 chez des femmes qui arrivent sur le marché du marathon à des âges où on déconseillait de le faire,
C'est en train de nous dire qu'il y a aussi des phénomènes très favorables, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de scission très importante entre une élite qui a progressé au niveau de ses aptitudes physiologiques et une masse de concurrents qui a régressé. Et on voit la même chose sur le plan des aptitudes cognitives. Mais ce n'est pas de la faute des jeunes. C'est la conséquence de toutes ces perturbations, et je pense qu'une partie du phénomène est liée au dialogue qui est entre notre flore intestinale, notre cerveau et nos aptitudes physiologiques. Et de ce fait, quel est le rôle de notre alimentation? Déjà, regarder comment on peut limiter l'impact du stress, s'alimenter pour bien s'entraîner, et on verra qu'une des clés majeures, c'est l'apport énergétique durant l'entraînement, quelle que soit la discipline pratiquée et son intensité. Comment on mange pour limiter les perturbations immunitaires? Là, c'est un sujet, on pourrait y passer des heures. Est-ce qu'il y a des éléments figurants dans notre alimentation qui permettent de corriger les erreurs de lecture au niveau de nos gènes? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de certaines vitamines, mais on verra qu'il y a ce qu'on appelle des épinutriments, le curcuma, le resvératrol, qui jouent des rôles très précieux pour corriger les erreurs, finalement. Et puis, bien sûr, notre manière de manger influence le développement des familles bactériennes qui sont dans notre intestin. Et enfin, il y a une manière de limiter la casse au niveau de notre alimentation. C'est vrai qu'on me dit souvent, quand on mange bio, on n'est pas sûr que les aliments sont bio. Par contre, quand on prend des aliments d'agriculture conventionnelle, on est sûr qu'on a notre dose de pesticides. Il ne faut pas revenir chez le commerçant, lui dire, je suis déçu, hein, je n'ai pas trouvé mes pesticides. Ils y sont. Mais ça, personne ne vient se plaindre. Donc, globalement, il y a des choses qui dépendent de nous, et c'est vrai que ça interroge sur le fait que plus un produit nécessite de produits chimiques pour arriver jusqu'à nous, moins il coûte cher par rapport à celui qu'on ne nécessite pas. Donc, il y a une logique là qui m'échappe. Mais en tout cas, il y a ce qui dépend de nous doit être sous contrôle, et c'est vrai que c'est un élément clé de limiter au maximum la part des polluants de toute nature dans notre alimentation. Et donc l'épinutrition, telle que je la définis, elle décrit la manière dont les aliments permettent le bon déroulement de l'épigénèse au sein de nos tissus, mais aussi au cœur de notre microbiote, hein, notre ce qu'on appelle la flore intestinale. C'est à la fois nécessaire pour assurer les apports nutritionnels qui permettent cette épigénèse, mais surtout fournir tout ce qui va nous protéger de l'influence de ces facteurs de perturbation, c'est-à-dire qu'elle va englober la compréhension et la gestion du stress et la nutrition cérébrale. Et je prendrai le temps de vous parler du stress de manière un peu plus précise, puisque je fais aussi, dans ces approches globales, un travail là-dessus pour aider les sportifs à identifier, les non-sportifs aussi d'ailleurs, l'origine de ce stress. Ceux que ça intéresse, j'ai fait récemment un podcast là-dessus avec Étienne Bulidon. Ça englobe la protection à l'encontre des facteurs de pollution. Est-ce qu'il y a des nutriments qui nous protègent? On en connaît, le sélénium, glutathion, etc. La prise en charge des dysfonctionnements immunitaires, alors ça c'est vraiment un domaine vers lequel je suis allé, puisqu'on était démunis dans le domaine du sport pour comprendre ce qu'on appelle les syndromes de fatigue chronique. Et les syndromes de fatigue chronique, c'est assez simple. Imaginez deux jumelles qui arrivent en consultation au hasard, qui sont des coureuses de 1500. Et une qui vient me dire, voilà, mon record habituel c'est 5 minutes, cette année, je ne fais pas mieux que 5 minutes 15, je suis fatigué. Bon, je vais voir 5 minutes 15, elle est fatiguée, ça va. 1500, 5 minutes 15, je vais bien être fatigué comme elle. On va regarder, on va aller trouver un déficit en fer, on va corriger le déficit en fer, elle va repartir. Juste après, donc, il y a sa jumelle qui arrive, qui dit, voilà, moi je cours sur 1500, je joue 5 minutes 1 en temps normal, je suis épuisé, ça fait 6 mois que je ne cours plus et je dors tout le temps. Là, on est dans la dimension immunitaire. Pensez au Covid long, au Lyme, etc. On est dans ce genre de dimension. Et donc, on ne va pas avoir recours aux mêmes moyens, on ne va pas utiliser les mêmes stratégies pour la remonter. On en parlait tout à l'heure, j'accompagne depuis 2 ans un coureur d'ultra qui a gagné 2 ou 3 fois du TMB, qui est au bout de sa vie avec un Lyme, qui n'est pas un Lyme au final, parce qu'on met parfois des étiquettes pour se rassurer sur des tableaux beaucoup plus complexes. Il faut comprendre que dans l'histoire de la performance sportive ou de la maladie, il y a 3 étapes. L'adaptation, la suradaptation, on va puiser dans ses ressources, dans ses moyens, on va chercher dans les fonds de tiroir la pièce qui nous reste pour faire face à nos besoins. Et puis, il y a un événement qui va se rajouter, qui va faire qu'on va se désadapter, décompenser, qu'on va déclencher la pathologie ou le surentraînement à ce moment-là.
Et on va pointer l'événement en question en disant que c'est lui le responsable, alors que c'est simplement le dernier élément de la chaîne. Et c'est donc une démarche qui est beaucoup plus large et complexe que la nutrition telle qu'on l'entend habituellement, et ça dépasse le concept de la micronutrition qui l'avait précédé. La micronutrition, au départ, s'intéressait donc aux micronutriments, tous ces éléments qui sont dans notre assiette et qui n'ont pas de rôle énergétique, les vitamines, minéraux, etc. Mais c'est une discipline aujourd'hui qui décrit aussi bien l'activité de certains médecins qui font des approches alternatives que le travail de préparatrices en pharmacie qui vont vous vendre des compléments simplement parce que vous avez mal au nez, prenez ci, prenez ça. Et donc, des pratiques aussi hétérogènes ne peuvent pas être caractérisées par la même dénomination. Je voudrais parler d'un des éléments que j'ai évoqué juste avant à travers les perturbations de l'épigénèse, c'est ce qu'on appelle les perturbations immunitaires. Je n'ai pas parlé d'infection, je parle vraiment de perturbations immunitaires parce que notre système immunitaire, ce qu'on a tendance à oublier, il a deux fonctions qui doivent être équilibrées. La défense, se protéger des infections, et le sportif, plus il va s'entraîner, plus il va être exposé à un risque de vulnérabilité. Il y a des physiologistes anglo-saxons qui décrivent ça par l'expression « open window phenomenon ». Ça veut dire le phénomène de la fenêtre ouverte. Quand vous entendez, par exemple, pendant le Tour de France, qu'un athlète a dû abandonner parce qu'il est tombé malade, alors que vous, il fait 40 degrés dehors, que vous n'arrivez pas à boire le pastis avant que les glaçons ne soient pas fondus, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi dans la baignoire avec les glaçons? Pas du tout. Il y a une vulnérabilité immunitaire qui est temporaire, qui fait suite à un effort physique, qui va être d'autant plus importante que cet effort intense, prolongé, qui se répète régulièrement, et que l'apport glucidique en cours d'activité est insuffisant. Un immunologiste qui travaille dans le domaine du sport, un Américain donc très connu là-dessus, qui, était venu faire une présentation à l'INSEP il y a une dizaine d'années, David Niemann, il s'appelle, et il avait parlé de nutrition et immunité. Donc, il avait passé en revue tous les nutriments, le zinc, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine E, enfin bon, à un moment donné, etc. Puis il finit sa présentation, puis là, il y a le premier de la classe qui était au moins équipé. Professeur! Je voulais vous poser une question. De tous les conseils que vous avez donnés, quel est le plus important? Non, vous m'avez vu, hein, c'est moi qui ai posé la question. Hein, sur les congrès, il y en avait comme ça, c'est terrible. Il regarde, il lui fait « sports drinks ». Donc il a parlé de l'impact majeur des boissons énergétiques, et j'y reviendrai tout à l'heure. L'absence de ces boissons en cours d'activité est un facteur d'aggravation des perturbations immunitaires. Même si on part pour une heure, qu'il ne fait pas chaud, qu'on n'a pas soif, qu'on fait une séance de routine, on ne nourrit pas nos muscles, mais on nourrit notre système immunitaire. Et c'est l'erreur la plus fréquemment rencontrée. Donc la défense et la tolérance. Alors qu'est-ce qu'on doit tolérer? Nous-mêmes. Ben oui, c'est évident. Maladie auto-immune, c'est fréquent. Notre flore intestinale. Ah oui, parce que c'est bactéries, c'est nous ou c'est pas nous? Oh là 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 là! Je ne sais pas, on va faire un vote, on verra si on les accepte ou si on les rejette à la mer, hein, les bactéries. C'est tolérer le fœtus, tolérer les aliments. Et donc, dans certaines situations, la défense ou la tolérance peuvent être perturbées, notamment sous l'influence du stress. Et qu'est-ce que l'on voit apparaître? Déficit immunitaire chronique, donc les infections chroniques, les enfants qui enchaînent les grippes, risque de cancer, tout simplement parce qu'on ne se protège pas efficacement contre la prolifération de cellules anormales. Et puis quelque chose qu'on voit fleurir depuis une quinzaine d'années qui concerne quasiment une jeune femme en âge de procréer sur 15, qui est l'endométriose. De l'autre côté, on a l'auto-immunité, problèmes d'allergie, asthme, asthme d'effort, eczéma, tous les problèmes inflammatoires. C'est qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre. Et comment on mange par rapport à ça? Un peu de patience. Et puis, on peut avoir un processus qui a déclenché une réponse immunitaire. Et ce processus persiste alors même que l'événement est derrière nous. Un peu comme si un pyromane avait mis le feu, qu'il était parti et que l'incendie continuait. C'est parce qu'il y a des messagers du système immunitaire dont nous a beaucoup parlé depuis 4 ans, les fameuses cytokines. D'un seul coup, les médias parlaient de l'orage des cytokines. Donc, à mon fils, il me fait, quand il y a un orage, je regarde si je les vois. Je dis, non, tu ne les verras pas. Ce n'est pas des éclairs, les cytokines. En fait, c'est des messagers du système immunitaire qui peuvent
indépendamment du dialogue avec nos globules blancs, provoquer deux choses bien précises, enfin trois choses, majoration des douleurs, majoration de l'inflammation et majoration de la fatigue. Et donc, quand on parle de perturbation immunitaire, en se référant à ces éléments-là, on parle éventuellement de Covid long parce qu'on se dit bah, c'est le Covid qui est là, même si la personne n'a plus d'anticorps. C'est simplement la persistance d'un état de déséquilibre qu'on voit très très souvent sur le tableau de fatigue chronique. Et donc, quand je récupère un athlète ou une athlète qui a un tableau de fatigue chronique, évidemment, on va aller chercher à voir par quels moyens nutritionnels et de complémentation on va pouvoir corriger ces perturbations immunitaires. Je prends souvent une image pour dire aux gens, vous devez vous défendre, vous avez un bras en moins, un pied en moins, vous devez tenir un bouclier et une épée et vous protéger. Donc dès qu'il y a un ennemi qui passe, il vous tue. C'est un sacré boulot. 50% des situations chroniques qu'on rencontre chez un sportif, de fatigue, de blessures, d'infections évidemment, sont en lien avec ce genre de perturbations qui sont largement liées aux contraintes excessives qui sont institutionnellement demandées aux sportifs de haut niveau, mais même à quelqu'un qui est dans une logique compétitive tout en travaillant à côté. Alors comment on évalue ces influences ? Par rapport au stress, on a un marqueur biologique qui est extrêmement intéressant, que je regarde, qui est le cortisol salivaire, et c'est lui qui a été perturbé chez 80% des sportifs de haut niveau depuis juillet 2020. Il y a vraiment eu une rupture là, en l'espace de 3 mois, et encore aujourd'hui, c'est un des marqueurs de suivi. Si l'encadrement suit bien ou échange bien, dès qu'il y a des anomalies sur ce marqueur, en général, on doit préconiser un allègement de l'entraînement. Et il y a une question toute bête que je pose aux sportifs qui sont dans cette situation-là. Je leur demande, le matin, ces dernières semaines, entre 0 et 10, à combien vous situiez votre fatigue? Et à votre avis, quel est le chiffre qui me paraît acceptable pour qu'il y ait une reprise de l'entraînement? Combien sur 10? 2. Et donc, j'ai eu le cas d'une nageuse qui avait pris part au championnat du monde, qui avait eu 3 semaines de repos, et reprend l'entraînement, elle me dit, Denis, ça ne va pas du tout, je suis au bout de ma vie. Donc, je dis, t'as combien entre 0 et 10? Elle me dit, je suis à 7 sur 10. Je dis, tu dis à ton entraîneur que tu reprends un mois de vacances. Il dit, ouais, de toute façon, j'aurais rien fait. J'aurais fait du 50 mètres nage libre. C'est-à-dire, c'est 25 secondes d'apnée. Hein. C'est le truc, c'est un bisou très long. Et elle reprend l'entraînement. 3 semaines plus tard, elle va au championnat de France, elle bat son record. Et 6 semaines plus tard, elle fait partie du Quator qui bat le record du monde sur 4x50 nage libre. Donc, le message, il est le suivant. Il faut créer des conditions pour qu'on réponde à l'entraînement avant de s'acharner à faire s'entraîner beaucoup les gens. Mais, on en parlait avec Alban dans la voiture, j'ai travaillé avec... J'ai beaucoup d'expérience, mais pas trop pour être encore atteint de sénilité, donc je me souviens de beaucoup de trucs. J'ai travaillé avec beaucoup de sportifs qui ont pu être champions olympiques ou champions du monde. Je dis, mais c'est pas pour dire que c'est moi qui ai travaillé avec, c'est peut-être eux qui ont voulu travailler avec moi, enfin peu importe. Ce qui caractérise la réussite au plus haut niveau, c'est des gens qui vont prendre des chemins différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne vont pas chercher à se rassurer en faisant comme les autres, ils vont chercher à prendre un chemin différent pour faire plus intelligemment. La logique du sportif de haut niveau, actuellement, est la suivante. Imaginez que vous prépariez un concours. Vous êtes à un mois de l'examen. Pendant 2 semaines, vous révisez 18 heures par jour. Et puis, vous trouvez l'adresse de l'examinateur par hasard. Vous allez frapper à sa porte et vous lui dites, « Monsieur, je vais vous expliquer un truc. Depuis 2 semaines, je révise 18 heures par jour. Donnez-moi une mention. » Et vous dites, « Non, mais attendez. Moi, je m'en fous que vous révisez 18 heures par jour. Montrez-moi ce que vous faites. » Eh bien, en fait, beaucoup d'athlètes se rassurent en étant dans une logique de surcharge d'entraînement, en imaginant que parce qu'ils s'entraînent beaucoup, s'ils échouent, ce n'est pas de leur faute, et que parce qu'ils s'entraînent beaucoup, ça leur évite de se poser les bonnes questions sur ce que j'évoquais sur la deuxième diapo, les facteurs de réussite. On va faire un petit jeu tout simple. Imaginez que vous soyez triathlète, vous voulez y aller au jeu, et moi, la question que je vais poser d'entrée de jeu, c'est à votre avis, quelles qualités sont nécessaires pour être le ou la meilleure triathlète? Qu'est-ce qu'il faut posséder comme qualité, à votre avis? Alors, si vous me dites qu'il faut de l'endurance, il faut avoir du mental, on passe. Ouais. Endurance, vitesse pour les fondamentales, et ensuite spécifique, endurance musculaire, force.
Ouais. Mais ça se traduit comment au niveau de la discipline? C'est-à-dire, une triathlète ou un triathlète, pour qu'il réussisse, il doit être bon sur quels aspects en particulier? On va rapprocher l'entraînement. Du moins, on va inviter à ce que le sportif effectue l'entraînement le plus près. Ouais. C'est l'idée. Des contraintes de l'activité. C'est-à-dire, ce qu'on a identifié au plus haut niveau, c'est un, être capable de nager vite et de manière économique, et deux, être capable de courir après avoir tiré des gros braquets en vélo. Ce qui voudrait dire que logiquement, le triathlète doit s'entraîner deux fois par semaine à faire des transitions et doit privilégier la natation rapide. Et ce qui se passe dans les clubs de triathlon, il y a l'entraîneur de vélo, l'entraîneur de course à pied, l'entraîneur de natation. Chacun entraîne l'athlète comme s'il était seulement coureur, seulement nageur ou seulement cycliste. Et on se retrouve sur une discipline olympique où les gens ils font les 35 heures avant que ce soit obligatoire. C'est l'illustration de ce que je vous disais à l'instant, si on n'a pas cette réflexion-là. Et le stress explique ça. On a aussi un questionnaire qui est très intéressant, sur lequel je reviendrai pour évaluer le niveau de stress psychologique. La pollution, on ne peut pas trop l'évaluer. Ce n'est pas parce qu'on mesure les métaux lourds que ce que l'on mesure est forcément représentatif d'un niveau de gravité, tout simplement parce qu'on ne sait pas faire la différence entre une valeur normale et une valeur anormale. Alors peut-être que vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire par là. Je vais prendre un exemple très simple, un peu provocateur. Imaginez que vous soyez en viager, que votre propriétaire ait 80 ans, qu'elle soit en très bonne santé. Vous connaissez le principe du viager. Vous récupérez la maison quand la propriétaire est morte. Donc, vous vous arrangez pour l'inviter à boire un café tous les matins chez vous, dans lequel vous mettez un peu d'arsenic. La question qui se pose, c'est quelle est la dose optimale qui permet de récupérer la maison dans 5 ans sans être accusé d'homicide. Autrement dit, comment différencie-t-on ce qui est une dose aiguë d'une dose chronique? Vous posez la question, est-ce qu'on peut, à travers un bilan sanguin, faire la différence entre ce qui est un niveau normal ou anormal? Les gens qui vous vendent des bilans à 300 euros à faire en Allemagne vous disent, on ne sait pas. On va compliquer les choses. Comme elle a vraiment une très bonne santé, vous dites, non seulement je mets de l'arsenic, mais je rajoute aussi de la morora. Est-ce que le fait que je rajoute la morora va diminuer les doses d'arsenic qui sont nécessaires? Autrement dit, c'est le principe de ce qu'on appelle la toxicité croisée. Ce qu'on voit, c'est par exemple, si, imaginons un homme de plus de 50 ans qui doit prendre plus de 2 médicaments par jour, c'est assez rare, entre l'anti-hypercholestérol, machin et tout. Quels sont les dangers propre à chacun de ces produits à partir du moment où les produits s'additionnent? Réponse, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait mesurer, c'est le niveau d'exposition des populations. Je vous explique. Imaginons que les personnes qui sont ici, on trouve chez eux un certain taux de plomb ou de mercure dans les urines, et que chez ceux qui sont dans la colonne du milieu, on en trouve un taux plus faible. Ce que l'on peut considérer, c'est que dans le groupe où les taux moyens sont les plus élevés, il y a une plus grande probabilité qu'il y ait des gens qui développent des pathologies. Par contre, on ne saura pas dire lesquelles ni quand. Donc, merci d'être venu. C'est ça le niveau d'exposition. Plus une population est exposée à un risque, plus la probabilité que des gens développent des pathologies est élevée. Mais on ne peut pas aller plus loin. Ce qu'on peut faire, c'est développer les capacités de se protéger. Je parlais à l'instant des métaux lourds. Il y a un nutriment qui est essentiel pour nous protéger des effets des métaux lourds, il s'appelle le sélénium. Le sélénium, 40% de la population est déficitaire. La mesure du sélénium sanguin coûte 10 euros, donc on va faire un petit sondage rapide. Qui a déjà eu la chance qu'on lui mesure son taux de sélénium? Voilà. J'ai payé personne aujourd'hui, c'est pour ça, sinon il y a des gens qui lèvent la main. Ça vous donne une idée de la manière dont on raisonne sur ce genre de problème. Et ce que je vous disais tout à l'heure, qu'au-delà du niveau d'exposition, ce qui est important, c'est de comprendre les moyens dont on dispose pour se protéger. Et qu'est-ce qui détermine la richesse du sélénium de notre alimentation? Réponse, la teneur des sols. Et il y a eu des travaux, par exemple, en Chine, où il y avait des études qui étaient faites sur deux groupes de populations différents. Un groupe qui mangeait du riz, du soja, des légumes et du 37. Vous savez, quand vous allez au resto chinois, vous commandez des chiffres. Bon, ça peut être du chien, enfin, peu importe.
et un deuxième groupe qui mangeait la même chose, mais qui résidait 50 km plus loin. Et comme en fait, les sols où vivaient ces deux populations étaient pour l'un pauvre en sélénium et l'autre intoxiqué par des doses trop élevées, en mangeant la même chose, il y avait un groupe qui était déficitaire et un groupe qui était en surdosage. Et comme dans les bases de données, on a cumulé les informations qui venaient de différents territoires du monde, il s'avère qu'il y a des gens qui ont fait des mesures sur des noix du Brésil qui provenaient d'un endroit où il y avait beaucoup de sélénium. Et donc, les trucs qu'on trouve sur tous les blogs, vous ne voulez pas manquer de sélénium, mangez 3 noix du Brésil par jour. Or, on ne dit pas la taille des noix du Brésil, ni de quelle partie du Brésil elles doivent venir. Ça fait partie des conneries récurrentes que l'on peut lire sur la nutrition. Il est vraiment important de comprendre qu'avant de partir sur des régimes véganes parce qu'on a peur des métaux lourds, il faut d'abord aller regarder comment on s'en protège. Ça fait partie de la clé. L'alimentation, alors, on a moyen d'évaluer ce qu'on a dans notre assiette, mais c'est extrêmement délicat de le faire sans vouloir quantifier. L'idée, ce n'est pas de mesurer les quantités, mais de regarder dans quelle mesure la manière dont on mange laisse à penser qu'il peut y avoir des déficits ou des déséquilibres. C'est un long sujet. Ça peut s'appuyer aussi sur des bilans. Je parlais du sélénium, du zinc, mais il y a un certain nombre d'éléments de cette nature qu'on va aller évaluer, puisque le contenu de l'assiette ne nous permet pas de prédire, sauf si on travaille au doigt mouillé, hein, s'il y a un déficit. Les perturbations immunitaires, ben là évidemment il y a tout un tas d'outils biologiques à notre disposition. Et concernant les perturbations de l'intestin, j'ai développé un outil qui est extrêmement intéressant, pas parce que j'ai développé, mais il s'est révélé intéressant, qui va notamment nous permettre de mettre le doigt sur quelque chose que j'ai développé par la suite, qui est l'hyperperméabilité intestinale, qui est un sujet récurrent lié à la pratique sportive notamment. Donc ceci étant posé, je vais quand même prendre un peu de temps pour parler du stress. Donc il y a un indicateur, alors c'est son indicateur, mais je n'avais pas la bonne police, je n'ai pas vu qu'il y a une lettre qui a sauté. Le représentatif, c'est le taux de cortisol salivaire. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà bénéficié de suivi biologique de haut niveau ou de contrôle antidopage. En général, les hormones chez le sportif, on les évalue par la salive. Donc ce taux de cortisol salivaire a été employé dans des études qui remontent à maintenant une quarantaine d'années pour voir exactement comment le stress fonctionnait. Donc les psychologues, les psychiatres qui travaillaient sur le sujet, avaient sélectionné des volontaires qui prenaient part à l'étude, qui allaient donc donner une partie de leur salive, mais ils devaient également compléter un questionnaire que ces expérimentateurs avaient établi. C'était une grille en fait d'événements auxquels ils donnaient un score. Par exemple, un divorce, 4 points, un deuxième divorce, 8 points, parce que vous savez déjà ce qui vous attend. Un veuvage, 8 points, et ainsi de suite. Donc les volontaires qui prenaient part à l'étude racontaient leur histoire. À chaque fois qu'il y avait un événement de vie, ding, 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 il y avait un score qui apparaissait. Et donc à l'issue de l'entretien, chaque participant avait un score de stress d'événement, et il n'y avait aucune corrélation entre les événements subis ou vécus et le niveau de stress. Donc ce n'est pas la gravité des événements, et c'est une erreur majeure quand les gens disent « Ah ben vous n'avez pas de stress dans votre vie, tout va bien, votre travail vous plaît, votre femme vous plaît, vous faites du sport, vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous venez de vous emmerder ?» Bon. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Et au-delà de ça, le stress d'un point de vue physiologique, c'est le niveau de contrainte auquel qu'on va devoir développer pour s'adapter aux agressions dont on fait l'objet, qui sont d'abord donc le stress émotionnel que j'ai commencé à évoquer, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Stress émotionnel chez sportifs, ça existe, surtout avec les médias d'aujourd'hui, TikTok ou autre, bref. Stress environnemental, le chaud, le froid, l'altitude, sport intense, jet lag. Partez faire la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion, vous arrivez une semaine avant. Là, vous avez tout bon déjà. Le stress immunitaire, quand vous avez ce qu'on appelle un super antigène qui traîne un herpès, un champignon, ou la vaccination, alors il ne s'agit pas de dire qu'on est pro ou anti-vaccin, on pourrait parler des heures, mais en tout cas, ça crée une sollicitation au niveau du système immunitaire qui peut parfois provoquer des réactions. Il y a des gens qui ont très bien supporté certains vaccins et puis, faisant le rappel, quelques années plus tard, vont réagir. Or, ils ont pris la même chose, donc ce n'est pas ce qu'ils prennent qui est le problème, c'est la façon dont leur organisme se trouvait à ce moment-là. Et puis, il y a ce que j'appelle le stress métabolique.
privation glucidique, parce que quand on manque de glucides, le corps libère plus de cortisol pour s'adapter. Donc, manger trop peu de glucides, surtout quand on fait du sport, c'est un stress. Et le déficit protéique. Entre la planète qu'il faut sauver, les animaux qu'il faut respecter, le gluten qui pose problème et les produits laitiers qui sont des ennemis. Or, évidemment, il y a les graines de chia. Bon, le chia, c'est un croisement entre le chien et le chat, vous savez, donc ça fait des protéines de bonne qualité. Donc, blague à part, à un moment donné, on est confronté à des situations où près de 40% des moins de 40 ans ont des déficits protéiques qu'on n'observait pas avant. Ça, c'est l'impact socio-culturel ou autre qu'il faut prendre au sérieux. Mais expliquer aux gens, par exemple, oui, mais le respect de la vie animale. Okay. Alors, est-ce que vous avez, j'explique souvent ça, notamment des véganes, est-ce que vous avez déjà visité les grottes de Lascaux ? Vous avez vu des photos des grottes de Lascaux ? Ça vous parle ou pas, les grottes de Lascaux ? Bon. Oui. Alors, il y a des peintures au mur. Est-ce que c'était parce que les gens s'ennuyaient pour occuper leur longue nuit d'hiver ? Ou est-ce que ces peintures ont une signification particulière ? Ça signifie quoi ? Ben en fait, les chasseurs de l'époque rendaient grâce et remerciaient les dieux de leur avoir permis de tuer des animaux pour se nourrir. Rappelez-vous des Indiens, des Amérindiens, quand ils tuaient un bison, quelle était la première chose qu'ils faisaient après ? Ils chantaient un chant pour remercier les dieux. Donc, le respect de la vie animale se nourrit d'une tradition, on va dire, anthropologique, où l'animal est considéré pour ce qu'il est, non pas pour un morceau de steak sous du cellophane qui vient d'un animal qui est abattu de manière absurde, mais on a coupé le lien, c'est-à-dire qu'on peut débattre du sujet philosophiquement, mais l'argument du respect de la vie animale, il vient du fait qu'on s'est coupé du fait que dans toutes ces populations où l'apport protéique animal a joué un rôle important, la viande n'était pas achetée chez le boucher du coin, mais il y avait un lien direct avec le contexte dans lequel l'animal est obtenu. Bon, le pêcheur, il va pas aller prier à chaque fois qu'il prend un poisson, parce que vous imaginez, les chalutiers, ça deviendrait terrible. Mais ça permet de comprendre qu'il y a des positions qui peuvent être nuancées. On parle éventuellement d'athlètes véganes, moi je n'ai jamais vu réussir au plus haut niveau. Par contre, qu'on diminue la consommation de produits animaux, tout le monde est d'accord sur l'intérêt que ça présente. Mais tout dépend d'où on part et jusqu'où on veut aller. Il ne faut pas être radical ou dogmatique. Si chacun diminue, ce sera un problème de moins au niveau de l'empreinte carbone, sachant que au niveau de la pollution, l'Occident n'a pas la solution, l'Occident est le problème. Il faut jamais le perdre de vue. Donc les facteurs de stress, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, égo menacé. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet de l'alimentation et de l'entraînement, à savoir que souvent, l'athlète qui s'entraîne de trop, ce n'est pas parce que l'entraîneur lui a donné des plans inadaptés, mais c'est souvent parce que l'athlète a rajouté des séances ou n'a pas respecté le repos. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le triathlète à qui l'entraîneur accorde une demi-journée de repos. Vous avez déjà entendu parler de cette expression, la demi-journée de repos. Alors, imaginons donc, j'ai une athlète qui vient me voir et dit ben voilà, si, je me repose quand même, j'ai une demi-journée de repos le dimanche. Alors, on va faire une analogie. Imaginez que vous ayez une amie qui travaille chez Market, qui est ouverte le dimanche matin, elle est caissière, et on lui demande d'aller travailler le dimanche. Est-ce qu'elle va vous dire quelle chance, j'ai une demi-journée de repos? Ou est-ce qu'elle va vous dire ça fait chier, on me fait travailler le dimanche? Donc, on a un artifice sémantique, un tour de passe-passe de vocabulaire, pour faire croire qu'on se repose quand on s'entraîne. Quand on regarde ces facteurs de stress, est-ce que ce qui est imprévisible, on peut l'empêcher d'être imprévisible? Non, sinon c'est plus imprévisible. Est-ce que ce qui est nouveau, on peut l'empêcher d'être nouveau? Non plus. Est-ce que l'ego menacé, les réflexions qu'on peut avoir dans le dos, ou l'attente qu'on se met à soi-même, le niveau d'exigence qu'on a, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler? De côté, les psys à deux balles, mais il faut lâcher prise. Connard, je vais préparer les jeux. Non mais, ça n'a pas de sens. Donc le seul facteur de stress sur lequel on peut jouer, c'est le contrôle. Et qu'est-ce qu'un athlète contrôle? Ce qu'il mange et ce qu'il fait à l'entraînement.
Et typiquement, les stratégies d'hypercontrôle pour gérer le stress, ça peut être la porte d'entrée éventuellement vers des comportements dopants, mais aussi vers la superstition. Imaginez, vous avez joué, alors là c'est un exploit, deuxième tour de Roland-Garros, le tennisman français, vous avez remis les chaussettes et le slip que vous avez mis lors du dernier match que vous avez gagné pour avoir les molécules de la victoire, vous avez pris le même petit déjeuner, vous vous êtes assis à la même place, vous avez pris la même raquette. Vous contrôlez la situation et vous perdez 6-0, 6-0. Et ce qu'il faut comprendre pour qu'un sportif se débarrasse de ce stress, le contrôle consiste à imaginer tous les cas de figure, de manière à ne pas être submergé par l'émotion, mais à garder une approche cognitive. Je m'explique. Imaginons que le premier set, tu gagnes 6-0. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu changes ton jeu? Est-ce que tu anticipes? C'est ce que je fais sur le site coaching de gardien de hand. Je dis souvent, si tu commences par faire 3 arrêts, qu'est-ce qui va se passer après? Deuxième cas de figure, c'est très disputé, vous êtes à égalité, c'est tie-break, tie-break, on n'y arrive pas. Pareil, qu'est-ce que j'ai comme plan? Qu'est-ce que je mets en place? Et puis troisième cas de figure, c'est moi qui gagne tout, ou c'est moi qui perds tout, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, en se projetant, même sur des situations dont on n'a pas envie, on garde un scénario en tête qui permet de garder le contrôle. On dépense beaucoup moins d'énergie mentale, on crée beaucoup moins de perturbations immunitaires. Il faut imaginer ce qui se passerait s'il arrivait ce dont on n'a pas envie pour que la situation soit simplement une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas un facteur de stress. Au quotidien, par exemple, quand je reçois, ça m'est arrivé il y a un mois, je reçois un monsieur qui me dit « Oh là là, je dois divorcer avec ma future ex-femme, on a une maison commune, je n'ose pas imaginer ce qui va se passer. » Ben oui, sauf que vous n'arrêtez pas d'y penser, donc... Vous dormez pas la nuit, vous avez mal au ventre, oui, oui. Ah, puis je me suis blessé en courant. Ah bah tiens, c'est curieux. Bah, écoutez, il y a 3 situations possibles. Premier cas de figure, vous allez tomber sur une juge femme qui a surpris la veille son mari avec sa meilleure amie. Donc vous allez repartir avec les fenêtres et la porte et votre ex-femme avec la maison. Vous pensez quoi? Vous faites quoi? Quelle stratégie vous adoptez? Deuxième cas de figure, vous tombez sur un juge qui est objectif, donc les deux sont mécontents. Vous faites quoi? Vous vous adaptez comment, etc. Troisième cas de figure, vous tombez sur un juge homme qui vient d'apprendre que sa femme le quitte pour son meilleur ami. Vous repartez avec la maison et c'est votre ex-femme qui allait porter la fenêtre. Et vous vous dites, c'est quand même dégueulasse, pendant toutes ces années où j'ai travaillé, c'est elle qui a élevé les gamins, il ne lui reste rien, c'est pas juste. À savoir que le stress, il peut venir d'une pseudo-bonne nouvelle qui touche aux valeurs, qui est imprévisible, qui échappe à notre contrôle. Donc le fait d'anticiper toutes les situations et d'avoir un plan n'évite pas que les situations arrivent, mais ça évite d'être confronté au stress. Et ça veut dire, en matière d'entraînement, ok, bah quand je prends un jour de repos, est-ce que je prends un risque ou est-ce que c'est bénéfique? Parce que pour faire des synthèses, pour réparer des tissus, pour mettre en réserve de l'énergie, il faut être dans une situation qu'en physiologie on appelle l'anabolisme, c'est-à-dire faire des synthèses. Faire des synthèses nécessite 2 choses, enfin 3 choses, apport de nutriments, pic d'insuline, en tout cas, l'insuline, il faut s'en méfier tout. L'insuline, c'est une hormone utile. Si on n'avait pas d'insuline, on ne ferait pas de masse musculaire. Vous faites un régime cétogène à toutes les femmes de plus de 65 ans, elles vont faire un problème de sarcopénie dans les 3 ans qui viennent. Okay? Et puis, il nous faut du repos. Donc, si vous n'associez pas les 3, vous allez partir dans le mur. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Le contrôle est le seul élément sur lequel on peut jouer, ce qui permet de comprendre des comportements de type anorexique ou des comportements de type d'addiction. Parce qu'à un moment donné, quand on essaie d'anticiper et qu'on se rend compte qu'on ne va pas contrôler la situation, il y a une émotion qui apparaît inévitablement, qui est l'anxiété. J'y pense, je contrôle que dalle, ça ne va pas du tout. Et donc, face à l'anxiété, soit il y a la reprise de contrôle qui peut être en lien avec des problèmes d'anorexie, on verra tout à l'heure qu'il y a un autre facteur qui joue là-dessus, soit ça va être « oh et puis merde, je m'en fous », et puis là on part dans tous les débordements éventuels qui sont en lien avec des problèmes d'addiction ou autre. Et donc, quand je pense à ce genre de situation, je travaille à la fois sur les compréhensions des mécanismes de stress, mais aussi sur les problèmes digestifs.
Et le stress, je peux en parler encore un petit peu, il se caractérise par quelque chose qui est l'absurde. Tout ce qui est absurde relève du stress, et typiquement, dans la bouche de l'autre, une personne en stress, il y a des mots qui le trahissent. Toujours, jamais, il n'y a qu'à, il faut, c'est simple, il suffit, c'est de la faute à, tu es trop. Il y a pas mal, je pense, de sportifs dans la salle. Est-ce que vous est déjà arrivé qu'on vous dise, de toute façon, ton problème, tu es trop perfectionniste? C'est vrai que vous avez entendu ça. Est-ce que c'est rationnel ou pas? Bon, je vous donne un exemple. J'ai reçu, il y a un an en arrière, en consultation, un monsieur au burn-out, vrai burn-out, marathonien, qui ne pouvait plus s'entraîner, qui ne pouvait plus travailler, pilote de ligne. Alors à l'époque, je travaillais à Nîmes, il arrivait de Chaumont. Alors là, en plus, il a eu le stress de la SNCF. Il dit, je prends rendez-vous sur la journée, hein, je ne vous dis pas l'heure. Ne vous inquiétez pas, je reçois que vous. Non, je déconne. Bref, il arrive, il me dit, Monsieur Richer, je connais mon gros problème, je suis trop perfectionniste. C'est mon gros défaut. Je dis, mais vous avez entièrement raison. Vous auriez mieux fait de vous écraser avec votre avion. Il me dit, non, mais être perfectionniste au travail, c'est normal. En dehors, c'est pas normal. Je dis, ah bon, vous avez reçu un recommandé, c'était écrit. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour se désamorcer ce processus de stress, il y a deux techniques extrêmement intéressantes, le questionnement ouvert et la dérision. De toute façon, tous ces sportifs qui arrivent pas, c'est un problème de mental. Vous avez déjà entendu ce genre de truc? Ah, mais où t'as fait ton DU de préparation mentale? C'est super. Ou alors, ah, t'es psychothérapeute, c'est génial, j'étais pas au courant. Ah non, pas du tout. Ah, mais t'as entraîné au moins. Non, non. Ah, d'accord. Mais t'as des compétences alors? Non, non. Ok. Mais si on fait pas ce travail d'identification du stress, on se laisse contaminer par le stress de l'autre, on lui donne du crédit. Je vais prendre un autre exemple. Vous connaissez tous Julien Alaphilippe. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Double fois champion du monde, il n'a pas trop de résultats. Le mec qui l'embauche, qui le paye, lui dit, de toute façon, il est trop payé pour les résultats qu'il a. Et là, on a juste envie de se dire, putain, heureusement que ce n'est pas un équipier, lui. Parce qu'il irait jouer de la guitare pour finir ses mois. Hein. Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qu'il paye, ce mec? Qu'est-ce qu'il paye? Il paye le fait qu'il ne fait pas comme les autres, qu'il s'entraîne à sa manière, et qu'il suit son chemin qui est le sien. Donc, tant que ça marche, contrôle faible, imprévisibilité, etc., mais il a des résultats, on dit rien. Mais dès que ça ne marche plus, tout le stress suscité par son comportement ressort. Et le stress, il y a trois manières dont il est vécu. La lutte, la fuite ou l'inhibition. Et le stress chronique inhibé chez le sportif, c'est la blessure, c'est le trouble de comportement alimentaire, et c'est toutes ces situations qui vont décompenser. Okay, et ça, c'est extrêmement important, pratiquement, parfois 80% du temps de la première consultation avec certains sportifs, c'est mettre à jour tous ces trucs de stress qui sont là, qui sont permanents, du genre, pour réussir, il faut toujours s'entraîner. Ça ne sert à rien de se reposer. C'est-à-dire, toutes ces phrases toutes faites, pour votre santé, manger équilibré. Évitez de grignoter la nuit. Ah non, le jour, pardon, la nuit, on peut. Vous voyez, il y a plein d'injonctions. L'injonction, c'est caractéristique du stress de la personne qui vous parle. Vous imaginez, on baigne dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser ces neurotransmetteurs, on va susciter des réactions inflammatoires et le stress aura des conséquences énormes. Bon, ça, j'ai déjà dit. Pourquoi ça a bougé, j'en sais rien. Les conséquences du stress. Effondrement des neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre dopamine, elle n'est plus là, manque de motivation, sommeil profond et qui est entamé, baisse de la sérotonine, etc. Donc, l'importance de la nutrition cérébrale, et c'est là qu'on va travailler sur le petit déjeuner à l'anglaise, des boissons énergétiques ou autres. Effondrement progressif de l'immunité. Le stress sur notre système immunitaire a le même effet que des termites qui attaqueraient des poutres. Vous achetez une maison, vous êtes tranquille à la campagne, il y a les poutres qui sont attaquées, puis un matin, vous n'avez rien fait de précis, vous avez pris le plafond sur la tête. Vous dites, j'ai rien fait de particulier. C'est l'athlète surentraîné qui reste au fond de son lit un matin, qui ne peut plus aller s'entraîner. Perte de la tolérance immunitaire. Donc, problème inflammatoire, hyperperméabilité intestinale, terrain auto-immun. Augmentation de la perméabilité intestinale. Donc, ça va être le dernier point dont je vais vous parler. J'ai encore du temps. On va déborder, on a les clés, de toute façon, on s'en fout. Hein. Voilà. Et augmentation de l'inflammation, c'est la conséquence aussi du stress. Et modification métabolique. C'est-à-dire que quand vous avez un stress important, même si vous mangez assez de glucides, ils vont être
il va y avoir quand même une augmentation du cortisol et vous allez quand même avoir des dégradations de vos protéines comme si vous faisiez un régime cétogène. Et passer à côté du stress du sportif et continuer à l'entraîner sans tenir compte de ce stress l'envoie dans le mur. Et il va y avoir une modification de l'expression de certains gènes. Et enfin, modification des populations bactériennes et de l'activité des bactéries, des champignons qui sont dans notre intestin. C'est-à-dire qu'en gros, de tous les perturbateurs que j'évoquais tout à l'heure, indéniablement, c'est lui qui pèse le plus lourd et c'est celui qu'on voit le moins souvent. Alors, il joue un rôle extrêmement important, sournois. Je parlerai de ça juste après. Je parlais d'une petite anecdote pour que vous compreniez à quel point le stress, il peut être super, super pernicieux. C'était en mai 2022, je faisais une formation en Suisse sur intestin et cerveau, donc un de mes sujets favoris. Il était 9h15, il y avait 70 personnes, je parlais suisse, dans la salle. Samedi, il faisait beau. Je leur dis, à votre avis, est-ce que vous avez déjà connu un stress ce matin? Les gens, ils me regardent, non. Il y avait même les trois faillots du premier rang qui disaient, nous, on n'a même plus médité avant de venir, on est très zen et tout. Je leur dis, ben vous savez quoi? C'est pas vrai. Là, ils m'attendent. Ils m'ont dit, bon, quand vous êtes parti de chez vous ce matin, est-ce que vous avez entendu une personne vous dire « Oh là 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 là, c'est une chance incroyable de vivre avec quelqu'un qui travaille le week-end, qui veut toujours apprendre, qui veut toujours se former, qui est curieux de tout, qui réfléchit même la nuit. Mais comme c'est génial !» À votre avis, il y a combien de mains qui se sont levées? Zéro. Je leur dis, est-ce que vous avez entendu quelqu'un vous dire « Oh mais t'es encore barré ce week-end, mais tu travailles toujours, j'ai l'impression que ça ne sert jamais à rien, qu'est-ce que tu apprends là-bas » Il y a 15 mains qui se sont levées. Je leur dis, est-ce que ce que vous avez entendu est juste ou est-ce que c'est absurde? Et là, les gens ne captent pas. Or, pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils entendent ça tout le temps, s'ils commencent à se dire, c'est pas normal de l'entendre, ils disent, mais en fait, je passe mon temps à me faire pourrir. Et comme je ne sais pas pourquoi, ça échappe à mon contrôle. Donc, non, ils ont raison. C'est vrai, je sacrifie la vie de famille pour aller apprendre. Je dis, OK. Donc imaginons qu'un week-end par mois, pendant 2 ans, vous allez vous former, vous ayez un diplôme qui vous donne une meilleure rémunération, vous irez voir votre mari ou votre femme dans 2 ans en lui disant « Écoute chérie, je suis désolé, à cause de toutes ces études que j'ai faites, on va être obligé de partir en vacances aux Seychelles, je te demande pardon. » Je vous disais, le stress c'est l'absurde. Et puis d'un point de vue émotionnel, est-ce qu'il est cohérent que la personne qui vit avec vous vous reproche de ce qui fait votre qualité, l'engagement, l'envie de faire les choses? Non, donc on est dans quelque chose qui est absurde, c'est donc un stress. 3 minutes avant, quand j'avais posé la question, les gens disaient « Non, on n'a pas eu de stress. » 15 mains levées, et là je dis aux gens de baisser la main que les personnes qui ont fait ni burn-out, ni maladie auto-immune, ni fibromyalgie, ni endométriose. Et là, il n'y a que 2 mains qui se sont baissées. Je dis « Voilà la démonstration de l'effet chronique du stress qu'on ne voit pas ou qu'on fait semblant de ne pas voir et auquel on est confronté. » Qu'on soit auto-entrepreneur, artiste, sportif, entraîneur, enseignant, on est tous confrontés à ça, parce que plus on se réalise à faire quelque chose, plus on crée des émotions contrastées chez les autres. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont champions de France, ou vice-champions de France, ou champions régionaux, au hasard? OK. Donc, quand tu gagnes, les personnes en face de toi, il y a une partie d'eux qui se dit « C'est quoi ton prénom ?» C'est pas entendu. Amélie. Il y en a qui disent, Amélie, c'est super ce qu'elle fait, elle est super forte, hein, vraiment, j'admire. Puis il y a une partie d'eux qui se dit, Amélie, elle m'énerve, je serai jamais aussi bonne qu'elle, en plus c'est une pétasse, c'est pour qui elle se prend maintenant depuis qu'elle gagne et elle ne nous parle plus. Bon. Et donc, cette opposition de deux émotions contradictoires crée du stress chez ces personnes, ce qui fait qu'elles vont formuler des choses qui sont absurdes, fuite, lutte ou inhibition, du style, oui, mais enfin, t'as gagné, il n'y avait personne. Ou alors, oui, enfin, dans ta discipline, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose que ton cerveau interprète comme n'étant pas juste, mais comme, en même temps, tu n'identifies pas ce qui est anormal dans ce que tu entends, tu le prends au sérieux et ça peut générer du stress. Et au moment où tu entends ça, tu as un nœud au bide, tu as des tensions. Et donc, même si on se dit, je suis guerrière, je ne l'ai pas entendu, ton corps l'a enregistré. Et c'est ces successions de petits événements qui vont aussi avoir un impact sur l'intestin. Alors, bon, première illustration, c'est pour m'amuser. La deuxième, Law of Running, c'est un ouvrage d'un physiologiste sud-africain, Tim Knox, qui était le physiologiste de l'ultra, et qui a parlé le premier des problèmes de perméabilité intestinale. J'en ai pour à peu près encore un quart d'heure, donc on aura le temps de poser les questions.
Qu'est-ce qui se passe à l'effort? On a un débit sanguin qui, au repos, pardon, est très fluctuant d'un organe à l'autre. Et là, les traits que vous voyez apparaître sont proportionnels à l'irrigation des différents tissus. Voyez donc au repos, le foie, les reins, les intestins sont des organes qui reçoivent le plus de sang par unité de temps. À l'effort, il y a certains muscles qui vont être davantage irrigués. Dans des conditions assez soutenues, certains muscles vont recevoir 20 fois plus de sang que les autres. Et même s'il y a une accélération du rythme cardiaque, il y a forcément certains territoires anatomiques qui vont être moins bien lotis dans cette histoire, qui vont recevoir moins de sang qu'au repos. Alors même si les interviews d'après-match des footballeurs pourraient laisser croire le contraire, vous constatez que le trait du cerveau n'a pas bougé. Donc le cerveau est normalement irrigué, donc ils n'ont pas l'excuse. Par contre, vous voyez que celui qui correspond aux intestins ou au foie est nettement plus réduit. Et pour peu qu'en plus vous soyez soumis à des conditions thermiques défavorables, on a une augmentation du débit sanguin au niveau de la peau qui sert à nous refroidir. Et donc les intestins reçoivent moins de 10% de leur irrigation de repos à l'effort. Et c'est ce qui peut être le point de départ d'une authentique agression. Pour comprendre ça, vous avez deux cellules intestinales donc adjacentes avec des structures qu'on appelle les jonctions serrées qui garantissent l'étanchéité de tout ça. Et puis vous avez le flux sanguin à la base de la muqueuse qui amène donc de l'oxygène et de l'énergie aux intestins. Donc ça, c'est au repos. À l'effort, comme on vient de le voir, il y a une diminution de l'irrigation. Ben, l'intestin reçoit beaucoup moins d'oxygène. Il est en ischémie, il est en anaérobie, il n'a plus assez d'oxygène. Donc, il souffre. Et après l'effort, il y a une augmentation et même une compensation du retour de l'irrigation de l'intestin avec très forte augmentation du nombre de globules rouges. Et en fait, comme l'intestin a une durée de vie, la cellule intestinale pardon, a une durée de vie très courte, il ne peut pas s'adapter. Tout ce que je vous ai dit sur l'épigénèse est vrai pour tous les tissus, sauf l'intestin. C'est-à-dire qu'on a un intestin sédentaire toute sa vie, et donc il y a des agressions qui vont survenir, qui vont vraiment altérer l'intestin. Et à chaque fois qu'on va répéter des efforts, surtout intenses, surtout longs, surtout dans la chaleur, ou surtout sans apport hydrique, c'est-à-dire dans la majorité des situations, l'intestin va cumuler des agressions dont les conséquences seront une moins bonne assimilation des nutriments et une augmentation de la perméabilité intestinale. Et la question qui se pose, s'il y a une augmentation de perméabilité intestinale, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui entre? Pour quelles conséquences? Or, beaucoup de gens parlent de ce phénomène comme étant un réel souci. Attention, il faut traiter la perméabilité. La question, c'est de savoir pourquoi une hyperperméabilité et qu'est-ce qui va en résulter. Un des facteurs d'hyperperméabilité, on l'a vu, c'est le stress. Un autre facteur, on vient de le voir, c'est l'activité physique. Et alors, à la fin des années 80, il y a des gens qui se sont demandé, mais en fait, est-ce que ce phénomène, il survient chez tout le monde, même chez des gens qui n'ont pas de symptômes digestifs? Donc en 89, il y a des auteurs qui ont regardé chez 22 coureurs sans symptômes digestifs, ce qui pouvait se passer. Ils les ont soumis à un test où ils faisaient 15 minutes d'échauffement à allure progressive, et puis des 30-30, les fameux 30-30 qu'on connaît à l'entraînement. C'est un modèle expérimental qui amène à ce que le muscle reçoive beaucoup d'oxygène, et donc, a priori, un modèle expérimental qui va priver les intestins d'un apport sanguin approprié. Et donc, ils ont regardé un marqueur de perméabilité intestinale chez des sujets sans symptômes digestifs. Et ils ont montré qu'effectivement, ce marqueur de l'hyperperméabilité était nettement augmenté après l'effort chez tous ces sujets. Mais vous voyez que même avant l'effort, on n'était pas à zéro. Donc, c'est un phénomène chronique qui survient chez tous les gens qui s'entraînent beaucoup, y compris chez ceux qui n'ont pas de symptômes. Et là, vous dites, mais pourquoi il me parle de ça? Si ça arrive même chez des gens qui n'ont pas de symptômes et que ceux qui ont des symptômes digestifs ont le même problème, comment on s'en sort? Et je peux vous dire que pendant quelques années, c'était un casse-tête. On se dit, mais en fait, on peut avoir aussi bien une hyperperméabilité chez des gens qui n'ont aucun symptôme et une hyperperméabilité chez des gens qui auront des problèmes tendineux chroniques. Donc, qu'est-ce qui fait que chez l'un, ça se passe mal et pas chez l'autre? Eh bien, allons regarder ce qui se passe chez le sportif. Place de la libération. C'est authentique, ça. Vous n'avez rien inventé. Il y a ce phénomène d'ischémie-reperfusion, tel qu'on l'appelle, aggravé par la prise d'anti-inflammatoires.
Les anti-inflammatoires augmentent la perméabilité intestinale. Ça a été abondamment décrit dans les épreuves d'ultra. Il y a eu un cas en Suisse, à côté de chez moi, d'un gars qui a fait une grosse insuffisance rénale. Stress mécanique, les ondes de choc, ça pose beaucoup plus de problèmes en course à pied qu'en vélo ou en natation. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas ce problème en vélo. Et puis, déficit nutritionnel ou micronutritionnel, l'absence d'apport glucidique et les déficits minéraux aggravent la situation. Pour autant, ça ne permet pas de comprendre, encore une fois, pourquoi chez certains sportifs on a ce problème et pas chez d'autres. Ça n'explique pas tout. On voit des problèmes d'hyperperméabilité intestinale chez des gens qui ne sont pas sportifs. J'ai commencé à regarder ça au début des années 90. Il y avait un auteur qui avait écrit un livre qui s'appelle « L'alimentation ou la troisième médecine » dont j'en signalais, qui parlait des problèmes de perméabilité intestinale et de polyarthrite ou autre. Chez des gens donc qui souffraient de ce phénomène d'agression de l'intestin alors qu'ils ne faisaient pas de sport. Donc tout bêtement, je me suis dit « Mais peut-être que le sport est simplement un facteur d'aggravation ?» Mais qu'au départ, les gens présentent ces symptômes et ces problèmes inflammatoires parce qu'ils ont un dérèglement de fond de leur écosystème intestinal. Et donc, on a remis le métier sur l'ouvrage, ou l'inverse, l'ouvrage sur l'ouvrage. Pour parler d'écosystème intestinal, je le fais très court. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent du microbiote, parce qu'il y a des financements pour aller regarder les génomes des bactéries, mais on ne peut pas parler de l'organisme dans son ensemble en regardant que le monde bactérien. Ce monde bactérien, il est d'abord au contact du système immunitaire qui doit le tolérer. Il est au contact de la muqueuse. Il est aussi en lien avec les champignons qui commandent. Et à un moment donné, quand il y a un déséquilibre de toute cette organisation, je pourrais en parler des heures, mais il y a des facteurs, donc le stress, antibiothérapie, place dans la fratrie, déficit de naissance, etc. Il y a des situations qui font que ce trépied ne marche pas bien et que régulièrement, dès qu'on va le solliciter par une pratique sportive qui va être réitérée, on va finir par développer des phénomènes de dysfonctionnement immunitaire. Alors, le dysfonctionnement immunitaire, dit très simplement, c'est toutes les situations où on réagit à quelque chose qui n'est pas forcément en danger, allergie, etc., qu'on ne réagit pas forcément de manière suffisamment forte, d'où les infections qui se répètent, ou alors qu'on a une réponse immunitaire qui ne s'arrête jamais. Les gamins qui font des infections et des bobos en hit. Donc, c'est ce qu'on appelle les dysfonctionnements immunitaires. Ce qui les accompagne, c'est l'inflammation. Et voyez, on retombe sur cette muqueuse. L'inflammation agresse la muqueuse intestinale. Donc, ces personnes qui ont un déséquilibre de fond de leur écosystème, eh bien chez eux, la pratique sportive va aggraver la situation. Et c'est parce qu'il y a la combinaison de l'hyperperméabilité et du dysfonctionnement qu'il va y avoir des symptômes digestifs, mais aussi extra-digestif. Ça fait plus de 25 ans qu'aujourd'hui, quand on reçoit des sportifs qui ont des problèmes tendineux ou articulaires chroniques, première chose qu'on regarde, c'est ce qui se passe au niveau de leur intestin, que ce soit au repos ou à l'effort. Et souvent, on a des réponses intéressantes. Et je continue. Qu'est-ce qui passe? Alors, dans les années 80, années 90, on disait « Attention, il y a des protéines ». Il y a des intolérances alimentaires, on réagit. Oui, notre système immunitaire réagit aux protéines en créant de la tolérance. C'est-à-dire la majorité des situations, quand on mange du bœuf, quand on mange du poulet, quand on mange du chia, quand on mange du chien, etc., notre système immunitaire réagit par un mécanisme d'immunisation. Donc on ne fait pas de réponse immunitaire à cause des aliments. Il y a des fragments de bactéries qu'on appelle les endotoxines qui rentrent dans l'organisme. Or, elles ont de petites conséquences. Sans importance, perte de connaissance, choc septique, insuffisance rénale, troubles métaboliques, inflammation, arythmie, maladie auto-immune. C'est 80% des problématiques d'inflammation chronique du sportif. Et puis on a des, ce que je disais, protéines, quasiment pas de processus impliqués. Et puis on a des petites molécules qu'on appelle des peptides. Et là on rentre dans quelque chose qui est passionnant. Je demande encore un peu d'attention sur la diapo suivante. On a ici une muqueuse intestinale qui est perméable. Vous voyez, j'ai dessiné des brèches. Imaginons que vous mangiez bientôt. Au cours du repas, on libère des enzymes. Je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert. Ça découpe les protéines alimentaires en fragments de plus en plus petits. C'est-à-dire que si on considère que ces protéines seraient des colliers, les enzymes vont donner des coups de ciseaux dans le collier, puis des coups de ciseaux dans le morceau de collier, et ainsi de suite. Et ce qui doit rentrer dans nos cellules, c'est les perles, qu'on appelle les acides aminés en biochimie,
avec lesquels chacun de nos tissus va fabriquer de nouvelles protéines. Mais en fait, deux protéines alimentaires, en raison de leur composition, ont tendance à se précipiter dans l'estomac au milieu acide et à faire des espèces d'agglomérats très denses. Elles arrivent donc très condensées dans l'intestin, et là les enzymes ont beaucoup de mal à les découper, c'est comme si vous jouiez à pierre et ciseaux tout le temps. Donc, il y a des fragments de ces protéines qui sont, il y en a deux, la gliadine qui fait partie du gluten, et la casine A2 qui est une protéine du lait des vaches Holstein, spécifiquement les vaches Holstein, celles qui font meuh et qui donnent du lait. Donc, il va y avoir des fragments de ces protéines qui vont échapper au massacre, qui rentrent dans l'organisme, il ne se passe rien au niveau immunitaire, elles sont trop petites. Par contre, elles ont une forme chimique qui leur permet d'interagir avec des récepteurs. Ce sont des molécules qui vont sur les récepteurs des opiacés, comme les endorphines, mais font l'inverse. Vertige, migraine, douleur, trouble de l'attention, etc. Majoration de l'anxiété. C'est connu depuis relativement longtemps. Et évidemment, toutes les problématiques de douleur chronique où les gens n'ont pas de lésions, fibromyalgie, endométriose, ou alors ils ont une petite hernie discale, mais vous ne pouvez plus marcher, on vous fait des anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires ne changent rien, parce que ce n'est pas l'inflammation le problème, mais c'est ça, c'est très répandu. Et donc, ça fait partie de la prise en charge de la fibromyalgie, j'ai modélisé ça depuis une vingtaine d'années. Et ça a été décrit, par exemple, dans le cas de l'alcoolisme ou des addictions. Alors, pour avoir fait une thèse d'alcoolologie, je connais très bien ce qu'on appelle les marqueurs comportementaux de la sévérité de l'alcoolodépendance, la dernière ligne. En fait, c'est des questionnaires qu'on ne nous pas par des psychiatres. On demande aux gens, à partir de quelle heure vous commencez à boire, combien de jours vous pouvez rester sans boire, si vous êtes stressé, est-ce que vous buvez plus. Enfin, il y avait une liste comme ça de questions, vous imaginez. Et évidemment, au gré de vos réponses, vous aviez un score. Et plus le score était élevé, plus on pensait que vous aviez une dépendance sévère. Eh bien, ce qu'ont montré ces auteurs, c'est que cette sévérité de la dépendance, elle est directement corrélée à l'importance de la perméabilité intestinale et des déséquilibres de l'intestin. Et comme ces molécules peuvent être principalement libérées dans un contexte d'agression de l'intestin, c'est ce qui me permet de poser l'hypothèse qu'il y a beaucoup de phénomènes d'addiction au sport d'ultra, tout simplement parce que, contrairement aux autres sports, la muqueuse intestinale des coureurs d'ultra est en souffrance. Ce qui veut dire qu'on peut aussi aborder la problématique de l'addiction à partir de l'intestin, mais aussi de la gestion du stress, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et chez le sportif, c'est un point important. Il y a des sportifs qui ont des problématiques de poids, d'alcool ou autre, de coque. Hein. Bon. On a la même chose par rapport à l'anorexie, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour régler ça? Moi, je vais arriver à faire le timing. L'importance des boissons glucidiques, et puis tout un tas d'éléments à notre disposition. Ça, c'est une diapo aussi, c'est du vécu, hein, vous voyez, cabinet médical, pharmacie, cimetière. Donc on va éviter, on va voir s'il y a un autre chemin. Ah oui, les endotoxines, bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Donc la prise de boissons énergétiques réduit la perméabilité intestinale, ça a été démontré, c'est-à-dire que ça va limiter les problématiques de blessures. Petit critère, ces boissons, lors de chaque entraînement, doivent être prises de manière à ce que vous ne perdiez jamais plus de 2% de votre poids corporel en perte hydrique. Une coureuse de 50 kg, si elle perd plus d'un kilo à l'entraînement, son intestin souffre. C'est à la fois donc maintien du système immunitaire, on l'a vu tout à l'heure, maintien de l'étanchéité de la muqueuse, contrôle de l'inflammation, donc c'est vraiment important. Ça fait 20 ans que je le dis, et dès que je passe quelque part à une heure où il y a des gens qui courent et que j'en vois point avec un bidon, ça me désespère, j'ai envie de faire autre chose. Mais bon, je change d'avis. Alors pourquoi éviter le gluten? Ça ne veut pas dire que c'est un problème qui se pose chez tout le monde, mais c'est l'occasion de vous raconter une histoire assez incroyable qui montre à quel point certaines informations scientifiques prennent de court le monde médical. C'est nouveau, ça échappe au contrôle, c'est imprévisible, ça met en stress le monde médical et donc on n'en parle pas. La suite. L'histoire, ça paraît compliqué, je vous rassure, ça l'est. En 1999, il y a une scientifique qui a publié dans Science, qui était une revue vraiment de premier ordre, qui a montré qu'il y avait énormément de similitudes entre une protéine qui fait partie du mycélium d'un champignon qui est dans l'intestin, le candida albicans, et la gliadine. Et ce que vous voyez en dessous, c'est l'alphabet biochimique. À savoir que
les biochimistes, quand ils regardent les séquences des acides aminés sur les protéines, vous rappelez les perles de tout à l'heure, ils attribuent une lettre à chacun des acides aminés dans l'ordre où ils apparaissent. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait des séquences communes à ces deux protéines, ce qui fait que les deux avaient la même forme dans l'espace. Et donc, quand quelqu'un, sous l'effet du stress et de l'entraînement, avait une mycose qui proliférait dans l'intestin, dès qu'il mangeait du gluten, et seulement à partir de ce moment-là, il allait réagir au gluten parce que c'était un sosie de ce champignon. Tant que les conditions n'étaient pas réunies, il tolérait. À partir du moment où il y avait ce contexte-là, ça devenait défavorable. Repris dans The Lancet en 2003, donc ça fait 21 ans, piste qui n'a jamais été explorée depuis, sachant que les réactions immunitaires au gluten sont impliquées, par exemple, dans la maladie de Charcot, dont on sait tous qu'il y a des traitements efficaces aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, ça a été décrit chez les sportifs, hein, maladie de Charcot. Vous savez, il y a eu notamment des problèmes dans le football italien, hein, il y a eu pas mal de soucis. On avait appelé ça l'affaire des veuves du Calcio. Le Calcio, c'est le championnat de foot italien. Il y avait beaucoup de footballeurs qui étaient morts de la maladie de Charcot. Et vous voyez, il y a des auteurs qui parlent que ça a un effet sur augmentation de la douleur et augmentation de l'anxiété. Et donc, puisque ces molécules ont les effets inverses des opiacés, comment est-ce qu'on traite leurs conséquences pour en atténuer les douleurs? On prend du CBD. Donc, la généralisation de l'usage du CBD aujourd'hui vient nous prouver à quel point ce phénomène d'hyperperméabilité intestinale et de majoration de la douleur et de l'anxiété est lié à ce qui se passe dans notre intestin, notamment les antibiothérapies transgénérationnelles. L'alimentation anti-inflammatoire, les oméga-3 ont des rôles anti-inflammatoires et les oméga-3 proviennent du plancton que mange le poisson, que mange le poisson, que certains ne mangent pas, et devraient provenir de l'herbe ou du lin que mangent les animaux terrestres. Alors il y a eu un changement brutal dans l'alimentation des animaux terrestres au milieu des années 70. Si on fait la datation au carbone 14, c'est l'aile ou la cuisse, hein, grosso modo. Hein. C'est un peu ça. Et depuis le début du siècle, il y a un agronome et un diabétologue qui ont fait manger du lin à des vaches, à des poules, à des cochons, et tous les produits dérivés contiennent autant d'oméga-3 que si c'était du macro. Ça s'appelle bleu blanc-cœur. Donc vous allez sur Internet, vous appelez bleu blanc-cœur, votre département, et vous verrez, vous pouvez trouver du poulet bleu blanc-cœur, du saucisson bleu blanc-cœur, c'est du saucisson à écailles, c'est très bon. Tous les végétaux qu'on amène, alors les algues, mâches, roquettes, etc., 80% des sportifs sont déficitaires en oméga-3, ce qui veut dire problème d'inflammation, difficulté à perdre du poids, fragilité des globules rouges et impact au niveau cognitif. En dehors de ça, tout va bien. Le curcuma, le thé vert, alors la pomme, ail, oignon qui contiennent beaucoup d'éléments protecteurs, la grenade. Alors si vous me dites que vous prenez ça avec de la roquette, non, on n'est pas au Liban ici. Raisin, le vin rouge bio, évidemment, une cuite bio c'est meilleur pour la santé. Puis tout ce qui est l'alimentation crétoise, ça fait du bien à notre intestin, bien sûr. Et l'avocat, il y a beaucoup de substances dedans qui sont bénéfiques pour le système immunitaire. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut un avocat pour sa défense. Non, c'est pas pour ça, mais... Donc ça, c'est des bases. Et évidemment, est-ce que c'est très éloigné ou très proche de ce qu'on conseille habituellement à un sportif? On dit, bah, mange des pâtes, mange du riz, mange de la viande blanche. Et là, effectivement, on est dans un autre monde. Le curcuma, par exemple, a énormément de fonctions, modulateur de l'épigénèse, neuroprotecteur, il permet de refaire les synapses au niveau du cerveau, anti-inflammatoire, cicatrisant intestinal, donc vous vous doutez bien que j'en prescris beaucoup chez ces sportifs. On a un effet similaire du resveratrol qu'on trouve dans le vin rouge, protecteur du cancer, anti-vieillissement. Chez le sportif, il favorise la multiplication des mitochondries, donc ça permet une meilleure oxygénation du muscle. Donc un petit verre de vin rouge après une conférence, ça ne fait pas de mal. De toute façon, je prendrai les noms. Hein. Pas de soucis. Les plantes adaptogènes, je suis un peu vite, c'est des plantes qui permettent de corriger les effets du stress et de restaurer le fonctionnement des neurotransmetteurs. Donc moi, c'est un moyen que j'adore pour corriger les burn-out, tels qu'on les appelle, surentraînement, désadaptation, épuisement chronique. Des plantes comme la rhodiole, comme le ginseng, la ashwagandha, ça c'est extrêmement intéressant. Ça agit aussi sur l'immunité. Il s'agit notamment en favorisant la synthèse d'une molécule sur le gène qui favorise la synthèse d'une molécule, le neuropeptide Y. Le neuropeptide Y, en fait, il favorise l'augmentation des communications entre les neurones, réparation neuronale.
Il y a des travaux qui montrent qu'on trouve des taux très faibles chez des sujets dépressifs. Donc, si on leur met des plantes adaptogènes, ils en remontent le taux. Ou dans le tissu des victimes de suicide, eux, si on leur donne des plantes adaptogènes, il ne se passe rien. Il y a des travaux qui montrent que, également, la méditation va favoriser des changements dans les phénomènes d'expression des gènes. Donc, quelqu'un qui médite, qui fait du tai chi, qui fait ce genre d'approche, va protéger ses neurones des phénomènes du stress et va permettre une bonne épigénèse neuronale. Une femme enceinte qui fait du tai chi ou qui médite va augmenter les chances que son bébé ait un QI élevé et gère mieux le stress. Donc, ça fait partie des petites choses que personne ne dit. Merci pour votre attention. La plus grave maladie du cerveau, c'est de réfléchir, c'est de vivre ad hoc. Alors, je sais qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de gens qui ont un cerveau qui fonctionne bien. Vous voyez qu'on confond actuellement l'Eurovision et les Jeux Olympiques, soit pour référence à autre chose. Merci en tout cas, on a le temps encore de répondre aux questions. J'ai été un peu plus long que prévu, mais... Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Alors, effectivement, on a un peu pris sur le temps des questions, donc on peut se garder un quart d'heure pour les questions-réponses si vous le voulez. Ouais. Et puis, étant donné qu'on a eu un problème sur le lien YouTube, on aura moins de questions sur ceux qui nous regardent, qui auraient pu nous regarder à distance. Et on pourra vous proposer de terminer après la conférence à 20h. En buvant un coup, donc un coup de gnôle avec Denis, pour terminer sur les questions que vous n'auriez pas pu poser ou des questions peut-être plus personnelles. Sachant que j'ai fait qu'effleurer certains sujets, hein, bien sûr. Hein. Non. Si vous avez des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à quantifier au niveau en termes de pourcentage sur les performances entre deux sportifs, un qui suivrait tout ça correctement et un qui fait un peu n'importe quoi ? Quantifier, c'est délicat, mais ce qui est surtout important, c'est le pourcentage de sportifs qu'on arrive à rattraper et à permettre d'optimiser. Pour moi, la différence, elle est notable. Je pense que beaucoup d'athlètes, aujourd'hui, évoluent dans un contexte où on est un petit peu dans la logique russe de l'époque, où vous disiez, les champions, c'est simple, on prend des œufs, on les lance contre le mur, et c'est ceux qui ne cassent pas qui vont réussir. Il faut sortir de cette logique-là. Pour moi, le sport de haut niveau, tel qu'il est conçu aujourd'hui, de manière institutionnelle et globale, est une agression permanente qui sélectionne les plus forts naturellement. Et pour moi, ce qui me paraît essentiel pour répondre à cette question, c'est de faire en sorte qu'en travaillant de cette manière-là, on permet aux sportifs de tirer la quintessence de leurs moyens. Et il y a une différence très très nette, effectivement, en particulier par rapport à la prévention des trois grands problèmes qui sont les blessures récurrentes, les infections chroniques et la fatigue, l'épuisement avec l'arrêt de carrière derrière. Après, évidemment, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la gestion stratégique des sportifs qui nous échappe malheureusement. J'ai envoyé l'autre jour, il y a trois jours, un petit message pas très sympa à Marc Madio, vous connaissez peut-être, directeur de l'équipe sportive groupe AMAFDJ, où j'ai dit, décidément, Nice est une ville maudite, à chaque fois qu'il y a un de vos leaders qui arrive là-bas, il tombe et on met 4 jours avant qu'il abandonne. Parce que l'histoire de Thibaut Pinot ou d'autres, c'est qu'il y avait des problématiques de vulnérabilité et que dans le stress, alors qu'un athlète est blessé, on ne fait pas arrêter. Et il y a des dynamiques de groupe au plus haut niveau qui font que parfois, quand on a raison et qu'on va sur le territoire d'autres personnes, on met en péril l'institution et donc on préfère nous mettre à l'écart alors qu'on a raison. Ce que j'explique souvent, dans une structure, quand je bossais dans une structure, je passais rarement la troisième année. La première année, on trouvait ça génial. La deuxième, on trouvait ça embêtant. La troisième, on trouvait ça insupportable, puisque avec ces moyens-là, on est capable de dire « non, voyez pas ce mec en altitude, ça sert à rien », et ainsi de suite. Donc, au-delà de la mise en application, il y a la confrontation aux réalités des structures telles qu'elles fonctionnent et des privilèges qui sont accordés à des acteurs du monde sportif qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires à la réussite. On pose souvent la question, par exemple, pourquoi il n'y a pas de Français qui gagnent le Tour depuis des années. Je dis, la réponse est très simple, vous prenez un Colombien que vous naturalisez,
Vous prenez une Russe que vous naturalisez, vous leur faites faire des enfants, et dans 30 ans, il y a un Français qui gagne le tour. C'est-à-dire que c'est un problème organisationnel, mais si on travaille sur des sports individuels, qu'on prend en charge des sportifs de manière appropriée, il y a systématiquement une optimisation des performances, réellement. Je ne vais pas faire la liste des gens avec qui j'ai travaillé, parce qu'il y a trop de gens qui font ça sur leur site, mais ce qui est surtout intéressant, c'est ceux qu'on reprend au vol alors que pour eux, les choses étaient mal barrées. Bonsoir, vous avez fait un lien tout à l'heure entre la nutrition et la qualité du sommeil. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, il y a beaucoup de molécules qui participent au bon déroulement du sommeil, dont on sait qu'il est constitué de plusieurs phases. Alors, la première à considérer, c'est que le sommeil le plus réparateur pour le sportif s'appelle le sommeil paradoxal, celui durant lequel on rêve. Et lorsqu'on procède à un enregistrement de l'activité électrique du cerveau sur cette phase-là, on se rend compte que l'activité est très proche de celle qu'on enregistre en phase d'éveil, mais on ne peut pas réveiller les gens, c'est pour ça qu'on l'appelle paradoxal. Et ce sommeil paradoxal est très très dépendant de l'activité de la dopamine. Et la dopamine, il y a deux situations qui empêchent sa pleine expression. Un, le stress chronique, parce qu'il y a un train de vie du neurone qui est accéléré, donc on épuise sa dopamine. Et deuxièmement, c'est des infections chroniques. Les cytokines dont je parlais tout à l'heure vont bloquer les récepteurs de la dopamine. Donc ça, c'est un des facteurs clés. Ensuite, il y a les problèmes d'endormissement qui peuvent être liés à un manque de sérotonine, laquelle est souvent déficitaire sur des terrains inflammatoires. Et puis, il y a les décalages horaires, les décalages de rythme biologique avec la mélatonine qui peuvent aussi jouer un rôle. Et enfin, il y a aussi les terrains anxieux, puisque le contrôle de l'anxiété dépend encore d'une autre molécule qui s'appelle le GABA, qui est importante pour le bon déroulement des phases de sommeil. Donc il y a, en fonction de la nature du trouble du sommeil, on peut identifier les causes qui sont derrière et les stratégies nutritionnelles et des complémentations de phyto qu'on peut mettre en œuvre. Mais c'est un terrain extrêmement intéressant. Beaucoup de laboratoires ou de pharmacies disent prenez telle plante, si celle-là ne marche pas, prenez ça. Et puis si ça, ça ne marche pas, essayez ce truc-là. Et en fait, à force d'essai, ils trouvent. Mais l'expression d'un trouble de sommeil bien particulier, surtout dans un tableau global, comment tu t'entraînes, comment tu manges, est-ce que tu es stressé, tout ce que j'ai montré là, ça me permet moi d'aller choisir ou de poser l'hypothèse la plus vraisemblable pour agir de la manière la plus efficace possible sur les troubles du sommeil. On n'a pas les mêmes troubles chez quelqu'un qui va faire un jet lag que chez quelqu'un qui est dans un contexte de stress chronique après une infection, par exemple. Donc on a différentes causes possibles et chacune d'entre elles doit être investiguée. On peut éventuellement faire un bilan biologique si on a des doutes. Des bilans, c'est le neurotransmetteur pour regarder les choses un peu plus précisément. Mais c'est une fois sur 10, honnêtement. Je ne sais pas si ça répond à la question, parce qu'après, il y a des plantes qui agissent plus spécifiquement sur tel ou tel neurotransmetteur. On a fait démarrer sur la dopamine, la valériane sur le GABA, la sérotonine, c'est le griffonia, on a de la mélatonine. Après, on a des moyens d'action. On a aussi des chronologies alimentaires sur lesquelles on peut jouer. Mais d'abord et avant tout, c'est comprendre les causes de ces problèmes de sommeil. Okay ? Ça vous va comme réponse ? Merci beaucoup. Juste une question très rapide. Certaines activités nécessitent une gestion du poids. Je pense à l'activité judo. Comment un athlète judoka qui prépare des compétitions peut-il gérer justement son poids par rapport à l'exposé que vous avez fait ce matin, cet après-midi ? Alors je vais faire une réponse nuancée sur les sports de combat. On en parlait avec Alban. J'ai travaillé avec les lutteurs. Et les lutteurs, moi quand j'ai commencé à travailler avec eux, je pensais qu'ils étaient dans la même problématique que les judokas, puisque les judokas institutionnellement combattent sur leur poids idéal. Ils combattent en dessous, donc ils sont contraints à des régimes restrictifs qui ne sont pas physiologiques. Et effectivement, c'est un vrai souci. Les lutteurs, globalement, ils mangeaient de manière plus ou moins sérieuse, et puis ils arrivaient à l'approche des compétitions, et là, ils faisaient les efforts pour perdre du poids. Et moi, j'ai découvert qu'en partant de beaucoup plus loin, ils pouvaient aborder la phase spécifique de leur entraînement au poids de forme qui leur permettait de bien s'entraîner. J'expliquais à Alban en venant, j'ai une petite anecdote d'une minute là-dessus. J'ai travaillé avec l'équipe de France de lutte de 2002 à 2004, donc pour les Jeux d'Athènes. Et au mois de juillet, à Font-Romeu, parce que quand on fait de la lutte, c'est important de faire de l'altitude, on m'expliquera pourquoi, mais bon. Bref, je vais voir l'équipe de France et il y avait une athlète, donc Lise Legrand, qui sera médaillée un mois après, qui me dit « c'est super, je suis déjà à mon pas de forme, je peux m'entraîner très dur et je peux m'alimenter en conséquence, je peux courir, manger des glucides, tout va bien. »
effectivement, elle fait première française qui est médaillée aux Jeux en lutte, elle fait médaille de bronze. Et le lendemain, dans l'équipe, son interview, elle dit « C'était très très dur, surtout la dernière semaine où je mangeais une salade et je buvais qu'un demi-litre d'eau par jour. » J'ai dit le truc, je l'appelle, je dis « Mais c'est quoi ces conneries ?» Elle dit « Ben, j'allais quand même pas dire aux gens que je faisais mon poids depuis un mois et j'ai eu aucun problème à arriver en forme au combat et que j'ai fait aucun effort pour faire mon poids. C'est impossible. » C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une culture de « no pain, no gain », qui est finalement, ça sert à rien de partir 6 mois avant. Si tu peux te faire des footings en K-way dans le sauna, autant te traumatiser. Et effectivement, en travaillant de cette manière-là, on a surtout limité les problématiques de blessures. Et également, on s'est rendu compte que les athlètes étaient à leur poids de forme beaucoup plus facilement, voire certains ont changé de catégorie. Je ne parle pas de ceux qui montaient en toute catégorie, mais il y a eu d'autres réajustements chez les filles en particulier qui avaient perdu des kilos excédentaires qu'elles traînaient depuis des mois. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire sur la perméabilité intestinale, c'est que c'est un phénomène qui perturbe l'insuline. Donc on peut prendre du poids dans des situations d'agression de l'intestin, paradoxalement. Donc c'est un travail au millimètre, mais hormis une position de politique institutionnelle de faire combattre les gens sous leur poids, comme on le voyait en judo, on peut tout à fait, en partant de loin, gérer cette problématique-là. Oui, donc bonsoir et merci pour tout ça. Ouais. Vous nous avez expliqué que les animaux nourris avec, on va dire, comme ils l'étaient peut-être il y a un certain temps, produisaient de la viande avec des vertus plus intéressantes. Est-ce qu'on a le même phénomène avec les végétaux? Alors j'ai entendu récemment que les variétés de blé sélectionnées pour avoir de meilleurs rendements avaient peut-être génétiquement des modifications par rapport aux variétés anciennes. Oui, c'était très problématique par rapport à leur richesse en gliadine et à la nature de la protéine qui est présente. Et comme je disais tout à l'heure, il y a deux protéines qui peuvent participer aux symptômes liés à l'hyperperméabilité intestinale, donc la gliadine, qu'on trouve dans des variétés de blé à des taux plus importants dans les blés récents, et inversement, en plus, les positions des acides aminés sont problématiques, puisque on a vu sur le schéma où on voyait l'enchaînement des lettres, quand on regardait le candidat à le gluten, il y a un enchaînement d'acides aminés, et en fait, d'une variété de céréales à l'autre, celui qui est en 28e position, celui qui est en 49e, celui qui est en 75e, ne sera peut-être pas le même d'une céréale à l'autre. Ça va changer toute la forme de la molécule et ses interactions. Ce qui veut dire qu'effectivement, le blé moderne, chez beaucoup de patients, chez beaucoup de sujets, peut poser problème. Qu'inversement, le camut, petit épeautre, l'amidonier, les blés anciens, alors même qu'il y a du gluten, ce n'est pas la même molécule, ce n'est pas les mêmes petits peptides qu'on obtient, ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences. Donc oui, il y a une problématique qui se pose avec les céréales modernes, de la même manière qu'il y a une qualité supérieure avec les aliments de la filière de Blanqueur. Absolument. Merci. Une dernière petite question, courte, et puis après on pourra faire peut-être un point aussi pendant le cocktail pour continuer les petites questions qui resteraient en suspens. Bon, pour faire comme tout le monde, merci beaucoup. Et du coup, vous avez parlé de la qualité nutritionnelle des aliments qui diminuait sans arrêt depuis quelque temps. Et parallèlement à tout ça, on a les compléments alimentaires qui sont très en vogue en ce moment et qui se diversifient. Est-ce que, justement, comme la qualité nutritionnelle elle est diminuée, on doit forcément avoir recours à ces compléments alimentaires? Ou est-ce que, finalement, prêter attention à la qualité de ce qu'on mange et moduler les quantités peut suffire à éviter les carences, notamment chez les sportifs? Il n'y a pas de réponse universelle, à savoir que ce qui se pratique maintenant depuis 25 ans, c'est à la fois l'optimisation des apports nutritionnels et complémentation sur des situations de déficit avérées. Puisque le déficit, il peut être transgénérationnel. Il y a des enfants qui viennent au monde avec des déficits en oméga 3, même si dans leur assiette, il y a ce qu'il faudrait, ils traînent toujours un déficit qui peut être aggravé au fil du temps. Sur le sélénium et le zinc, on a vu qu'il y a des facteurs de risque de déficit qu'on ne peut pas prédire. Donc, il faut à la fois être vigilant à la qualité des aliments, évaluer les déficits, et moi je le fais assez régulièrement, mettre en place une complémentation qui est individualisée et réévaluer le statut, voir si on a corrigé ou pas le déficit en question, et éventuellement s'interroger sur les raisons qui font qu'on ne va pas corriger. Par exemple, la B9, la vitamine B9,
qu'on donne systématiquement aux femmes pendant la grossesse, le déficit, il est rarement dû à un problème de défaut d'apport, il est souvent lié à des anticorps qui bloquent l'assimilation de la B9, problème immunitaire. Les déficits en fer chez les sportives, on voit des déficits chez des femmes qui mangent du foie, qui mangent du boudin, qui mangent de la viande, qui s'entraînent 4 fois par semaine, qui ont un déficit en fer avec une ferritine qui ne remonte pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un phénomène d'hyperperméabilité, les phénomènes d'interaction avec les gènes conduisent à ce qu'une hormone qui s'appelle l'hepcidine bloque l'entrée du fer dans l'organisme. Et donc, on peut avoir des déficits en fer qui existent alors même que le contenu de l'assiette ne le laisserait pas prédire. Donc, on doit à la fois évaluer, optimiser le contenu de l'assiette et faire une complémentation ciblée et individualisée. Il n'y a pas d'opposition entre les démarches. Merci beaucoup, Denis Richer, pour votre intervention ce soir. Un grand merci pour la qualité de vos propos. Merci également à Colène et à Philippe qui nous font toujours de l'excellent travail sur cette diffusion en direct, en streaming. On vous rappelle également que la prochaine conférence aura lieu le 11 avril avec Patrick Clastre, qui est aussi un grand, grand conférencier sur l'histoire des Jeux Olympiques et notamment sur la dimension géopolitique, historique des Jeux Olympiques. Donc on vous attend en même heure, 18h, ici dans cet amphi. N'oubliez pas, n'hésitez pas à en faire la publicité. On vous rappelle également que Denis Richer est venu avec quelques petits livres qui sont extrêmement passionnants comme sa conférence. Si ça vous intéresse, on en discute autour d'un verre juste après. Merci beaucoup encore et bonne soirée à tous.